Merci. Chers collègues, je voudrais remercier Liliane Reyes pour cette prière d'ouverture. C'est très apprécié, ça met un bon ton pour la journée. Je veux vous remercier aussi de votre indulgence alors que je suis aux prises avec mon fils qui a eu un accident. Et également, je veux remercier le centre de santé de Fort Providence. Vous avez fait un travail incroyable. Merci infiniment du fond du cœur. Chers collègues, passons maintenant au travail. Déclaration du ministre. Déclaration du ministre. Merci. Monsieur le Président, je voudrais parler des situations auxquelles font face les territoires du Nord-Ouest, les niveaux d'eau du bassin du fleuve Mackenzie. Nous avons vu des niveaux historiquement bas liés au changement climatique et des records de niveaux bas ont été atteints en 2021 et 2023. Nous engageons à donner aux résidents et aux acteurs les meilleurs outils possibles pour pouvoir mettre en œuvre les stratégies en place. Nous voulons nous assurer que nos méthodes de gestion maintiennent l'intégrité écologique et l'harmonie au sein de l'écosystème. Nous avons connu dans le bassin du fleuve Mackenzie des différents défis climatiques pour mettre en œuvre les différentes stratégies. Le ministère fédéral de l'Environnement et du Changement climatique fait un suivi des conditions écologiques. Les mises à jour mensuelles et annuelles sont partagées concernant les prévisions pour les niveaux d'eau au printemps dans les territoires du Nord-Ouest. Des rapports fréquents concernant les niveaux d'eau à différentes périodes de l'année sont nous attendons différents niveaux et fluctuations de niveaux pour le fleuve Mackenzie à l'avenir. Nous voulons pouvoir prévoir les risques d'inondation auxquels sont confrontées les communautés. Nous voulons pouvoir mieux travailler avec Environnement et Changement climatique Canada pour mettre en œuvre des stratégies et pour pouvoir avoir des cartes de risque d'inondation. Des stratégies ont déjà été développées pour Hay River, pour Aklavik et d'autres communautés. Monsieur le Président, les niveaux d'eau actuels nous rappellent que les territoires du Nord-Ouest sont affectés par différents éléments qui sont présents aussi dans différentes provinces et territoires. Différents accords sont en place concernant le bassin du fleuve Mackenzie. Ils ont un impact direct sur la santé des écosystèmes et du fleuve pour nos territoires. L'Alberta, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan
Entre autres, ont des accords en place et nous reconnaissons l'importance de protéger nos cours d'eau locaux par le biais de partage d'informations et d'activités, et de limitation des activités qui puissent affecter l'intégrité de nos écosystèmes. Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest travaille activement pour répondre aux défis des niveaux bas d'eau qui posent actuellement des problèmes pour les habitants du bassin et les communautés locales face aux changements climatiques et environnementaux. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre de l'Environnement climatique, environnement et du changement climatique. Déclaration des ministres, déclaration du député de Range Lake. Merci, Monsieur le Président. Nous avons parlé du besoin d'utiliser des sources de confiance lors de situations d'urgence. C'est l'une des choses que nous devons garder à l'esprit. Nous devons pouvoir faire confiance au gouvernement. Lorsque je discute avec des membres de ma famille ou bien des amis, beaucoup me disent qu'ils ne sont pas prêts à suivre les ordres d'évacuation émis par le gouvernement. Et c'est là un problème de confiance de la part des citoyens dans leur gouvernement. Que devons-nous faire pour restaurer cette confiance? Nous avons plutôt mis en place une enquête publique terminée en février, le 22 février. Ça a été déposé sur le plancher de cette chambre, mais nous n'avons pas entendu plus par la suite. Beaucoup d'enquêtes, d'entrevues ont été réalisées. Beaucoup ont parlé d'engagement public, mais nous n'avons pas reçu de mise à jour de ce gouvernement concernant les missions du rapport final. J'espère que nous pourrons tenir un peu plus de clarté là-dessus aujourd'hui pour en savoir ce que le gouvernement va faire pour restaurer la confiance des citoyens. Car en fin de compte, nous nous trouvons dans une situation d'urgence et si les citoyens ne sont pas capables d'écouter le gouvernement, nous aurons une très grave crise sur les mains. Donc, nous devons nous assurer que les crises futures soient gérées avec plus de transparence et d'imputabilité que celles de l'année dernière ne l'ont été. Merci. Merci, Monsieur le député de Range Lake. Déclaration du ministre. Déclaration du ministre, monsieur, madame la députée de Yarmouth North. Merci, monsieur le président. Aujourd'hui, je veux parler d'une dotation de personnel de santé qui est une histoire positive pour une fois. Depuis 2020, le programme d'interne en santé à l'hôpital de Yonnef a porté ses fruits. Il y a des personnels qui peuvent se rendre à Inuvik et dans d'autres communautés aussi en rotation. Le programme a été développé de concert avec les communautés autochtones. Le programme comprend une formation sur la santé et des questions spécifiques au territoire du Nord-Ouest. Ça a fait baisser les temps d'attente pour les rendez-vous médicaux de jusqu'à 60% et a permis une meilleure gestion de la crise sanitaire lors de la pandémie. En 2024, six résidents ont obtenu leur diplôme. L'un d'entre eux, Métis, né à Yellowknife, a pu obtenir son diplôme par ce biais. Les jeunes qui passent du temps à travailler dans les territoires du Nord-Ouest, qui peuvent s'engager dans la vie communautaire et
faire l'expérience de la culture et de la diversité que nos territoires ont à offrir, ont plus de chances par la suite de se voir comme médecins du Nord et ensuite rester dans les communautés. Les personnels de santé, il faut le reconnaître, on dit plutôt que le personnel de santé ne veut pas vivre dans les territoires du Nord-Ouest. Malgré ça, ça n'est pas vrai. Notre programme est l'un des plus populaires au Canada et il a connu beaucoup de succès dans l'attrait d'étudiants et a même été reconnu pour ses résultats en 2022. Nous devons étendre le programme d'internat en médecine. Un petit peu, oui, Monsieur le Président, je demande à conclure ma déclaration avec le consentement unanime de la Chambre. Madame la députée demande à conclure sa déclaration avec le consentement unanime de la Chambre. Des votes négatifs? Non. Très bien, Madame la députée de Yellowknife Nord. Nous voulons étendre le pipeline de talents de médecins nouvellement formés. J'ai hâte à ce que le gouvernement réponde à cet appel et puisse mettre en œuvre cette stratégie. Merci, Madame la députée. Déclaration du ministre, Madame la députée de Great Slave. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler aujourd'hui de la façon dont nous parlons, nous communiquons. Le plan créé en mai 2024 comprend un protocole qui préconise que les communautés doivent avoir leur propre plan de communication lors de situations relevant des localités, lors de situations d'urgence. Je pense que cela va créer des silos plus tard dans des situations d'urgence et ça donne aussi l'impression que les messages du gouvernement prennent effet seulement en cas d'urgence. Je pense que cela va à l'encontre de ce que nous souhaitons faire car il faut de fait des réponses coordonnées dans ce genre de situation. C'est difficile pour les résidents de passer d'un site web à l'autre à la recherche d'informations. Même le site de la sécurité publique garde ces silos en place. Il renvoie simplement à des liens vers d'autres sites. La façon dont ces choses opèrent à l'interne n'est pas réaliste. Nous ne pouvons pas attendre du public qu'il sache quelle page du gouvernement, quelle partie du gouvernement est responsable de quel volet. C'est très difficile et nous ne parlons pas des personnes avec une situation de littératie limitée. Donc, ce n'est pas suffisant. Les questions n'ont pas bien été traitées. Monsieur le Président, j'aurai des questions pour le ministre au moment opportun. Merci, Madame la députée de Great Slave. Déclaration des députés. Monsieur le député de Sato. Merci, Monsieur le Président. Au cours de la fin de semaine, j'ai pu avoir plusieurs discussions avec les acteurs de Buffalo Airways. Nous ne pouvons plus, Monsieur le Président, nier l'impact des niveaux d'eau. Nous devons nous tourner vers la limitation de ces répercussions. Nous 600 000 litres ce carburant ont dû être acheminés l'hiver dernier pour les situations d'urgence également. C'est quelque chose qui doit être gardé à l'esprit. Les routes d'hiver ont coûté extrêmement cher pour l'acheminement des carburants.
un million de dollars et il y a des coûts supplémentaires pour l'acheminement de produits à Fort Hope. Si nous parlons du même volume cette année que l'année dernière, des produits essentiels nécessaires à Sato passent par ces routes. Les communautés se reposent entièrement sur les transports faits sur le fleuve Mackenzie. Nous avons des listes énormes de clients et des besoins pour l'école, pour différents projets au sein de ces communautés. En collaboration avec les barges aériennes de Buffalo Airways, il convient de dire que nous ne pouvons pas ici rater le bateau. Je veux reconnaître la chose suivante. Je ne peux pas souligner suffisamment l'importance énorme de cette situation et, de façon plus importante, la nécessité d'un plan d'acheminement des vivres. Quel est notre plan en tant que gouvernement pour le long terme là-dessus? Merci. Monsieur le député de Satu, votre temps est échu. Merci, monsieur le député de Satu. Déclaration des députés. Monsieur le député de Frame Lake. Merci, monsieur le président. Un plan a récemment été lancé pour améliorer les évacuations et autres situations d'urgence au sein des territoires du Nord-Ouest. Je dois reconnaître que les rôles et responsabilités sont clairs au sein de ce plan. Cependant, il reste encore du travail pour élaborer les détails plus pratiques de la mise en œuvre de ce plan sur le terrain. Et il reste encore des lacunes à traiter là-dessus, particulièrement qui va financer le renforcement des capacités de réponse aux situations d'urgence pour les communautés, entre autres. Ce type de plan a été mis en place lorsque les situations d'urgence au sein des communautés étaient encore peu fréquentes. Bien sûr, maintenant les choses ont changé et je pense que nous devons revoir la situation. Nous devons nous demander si nous avons tous les éléments en place et si nous serons réellement en mesure de mettre en œuvre le plan tel que prévu. Nos centres régionaux ont identifié des communautés et certaines de ces communautés scientifiques également comme sous-financées et n'ont pas la possibilité de mettre en place ces dispositifs d'évacuation comme prévu ou d'accueillir des communautés voisines en cas d'évacuation. Encore une fois, il faut renforcer les capacités au sein des affaires dans ces communautés et certaines communautés n'ont simplement pas les moyens. Donc, nous devons nous demander si nous pouvons nous décharger sur les services de réponse aux situations d'urgence locaux ou bien s'il faut établir des financements plus précis au niveau territorial. Monsieur le Président, je ne pense pas que ce soit la bonne solution ici de laisser les communautés gérer les choses elles-mêmes. Nous devons travailler avec les municipalités pour savoir comment les plans d'évacuation vont fonctionner et pour reconnaître qu'elles ne pourront pas gérer ces situations eux-mêmes. J'aurai des questions plus tard pour le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Frame Lake. Déclaration du député. Député Tinovik Bootlake. Merci, Monsieur le Président. Merci, je me suis adressée à mes collègues dans la Chambre ici plusieurs fois au cours des dernières semaines. Le gouvernement n'a pas bien répondu à ses engagements. Monsieur le Président, nous devons nous assurer de continuer notre travail important. L'un de nos engagements devrait être de mettre en place un financement pour les initiatives d'éducation.
des programmes qui apportent une nouvelle formation en matière de contrôle qualité et d'assurance qui permettent de nous assurer de devenir polytechnique. Malheureusement, des financements ont été alloués et sont maintenant arrivés à échéance. Monsieur le Président, une fois la législation introduite et le nouveau conseil administratif formé, cette équipe a été jugée non nécessaire par ce gouvernement. Et il y avait des surplus de financement qui étaient disponibles à un certain moment, mais malheureusement, ces surplus sont eux aussi arrivés à échéance. Monsieur le Président, si nous n'apportons pas les financements nécessaires pour que le collège puisse obtenir l'expertise nécessaire telle que ça a été prévu initialement, les objectifs seront inatteignables. Monsieur le Président, nous voulons que cette transition soit un succès et pour cela, nous devons nous y engager. Ça devra avoir un prix. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député Tinovic Butlik. Monsieur le député de Mumphrey. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je vais parler de drogue et de crimes. Nous avons eu une augmentation au sein des territoires du Nord-Ouest. Il est perturbant de voir une augmentation des crimes violents liés aux drogues. La GRC reconnaît le lien entre les stupéfiants et le nombre en augmentation de crimes qui a été observé. Je veux offrir mes condoléances aux familles qui sont victimes de crimes liés à l'usage de stupéfiants dans les territoires du Nord-Ouest. Je veux notamment envoyer mes condoléances à une famille qui a été affectée par ces crimes. Des funérailles se tiennent d'ailleurs aujourd'hui dans leur communauté. Mes parents et grands-parents s'inquiètent. Nous voulons voir la GRC reprendre le contrôle du trafic de stupéfiants au sein de la province. Nous voulons que nos enfants puissent grandir en sécurité sans être influencés par l'obtention d'argent comptant rapide et l'usage de stupéfiants comme possibilité. Nos communautés comptent des gens qui sont abattus par balles, qui subissent toutes sortes de violences. Nous ne voulons pas montrer non plus aux autres que les territoires du Nord-Ouest ne sont pas une bonne place pour faire affaire. Dans certains cas, même lorsque des accusations sont portées, les criminels peuvent s'en tirer grâce à des aspects techniques. Ces lacunes mènent à plus de crimes, plus de dépendance, plus de destruction, plus de traumatisme et plus de chaos. Monsieur le Président, les habitants des petites communautés ont peur. Ils ne se sentent pas en sécurité. J'ai moi-même beaucoup d'inquiétudes pour les communautés qui n'ont pas de détachement de la GRC qui leur est affectée. Nous devons empêcher les ventes de stupéfiants. Et, Monsieur le Président, je demande à conclure ma déclaration avec le consentement unanime. Madame la députée demande le consentement unanime pour conclure sa déclaration. Je ne vois pas de vote négatif. Vous pouvez conclure votre déclaration. Sans une force de GRC présente constamment sur le terrain, les crimes continuent à augmenter. Et c'est quelque chose qui affecte terriblement nos communautés. Nous devons prendre des mesures aujourd'hui parce que actuellement, dans les territoires du Nord-Ouest, les trafics de stupéfiants et les crimes gagnent et les membres de nos communautés perdent. Même si... Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Mumphrey. Déclaration des ministres, Monsieur le député de Tourne-Déboulé. Merci, Monsieur le Président.
Lors de la saison des incendies de forêt de 2023, je me suis tenue ici pour remercier tous ceux qui étaient venus en aide aux communautés des territoires du Nord-Ouest pour protéger les populations et les foyers et des résidents. Aujourd'hui, je vais parler des incendies et de la destruction causée à Fort Resolution. Je voudrais offrir un autre survol de ces événements pour parler de la façon dont nous pouvons répondre au mieux à la situation pour essayer de sauver des vies et de protéger les foyers. Je veux commencer par remercier le ministre de l'Environnement et du Changement climatique ainsi que les responsables de déploiement des ressources d'urgence pour le travail réalisé. Je veux remercier ceux qui ont envoyé également des forces sur place et les organisations. Et je vais remercier ceux qui ont permis aux résidents de trouver du logement temporaire rapidement. Je veux remercier l'assistant des responsables des pompiers. Et plusieurs autres membres du personnel pour avoir apporté leur soutien vital à la communauté. Plusieurs de ces personnels, encore une fois, des noms, ainsi que les hélicoptères affectés, ainsi que la GRC de Fort Resolution. Je remercie aussi à ceux qui ont apporté des vivres et de l'eau aux résidents et au personnel de réponse à la situation d'urgence. Donc, je veux remercier vraiment tous les acteurs à ce niveau-là. Encore une fois, la communauté est dévastée, mais ce qui ressort, c'est le courage du personnel de réponse à la situation d'urgence. Je demande à conclure ma déclaration avec le consentement unanime. Monsieur le député demande à conclure sa déclaration avec le consentement unanime. Je ne vois pas de vote négatif. Vous pouvez reprendre votre déclaration, monsieur le député. Bien que notre communauté soit dévastée, ce désastre montre encore une fois le courage de nos personnels d'urgence et le courage des membres de notre communauté. C'est aussi l'opportunité pour le gouvernement Clichon de se réunir afin de traiter la crise de premier front. Merci à tous ceux qui rendent le Nord un endroit plus sûr. Merci, Monsieur le Président. Merci au député de Tunnel et député de Decho. Merci, Monsieur le Président. Durant la dernière séance, j'ai fait plusieurs déclarations sur la promotion de la santé et du bien-être. Ma déclaration aujourd'hui va porter sur la promotion de la santé dans les écoles. Notre gouvernement doit appuyer toutes les jeunes personnes aux écoles des TNO. Notre gouvernement doit faire en sorte à ce que les prochaines générations possèdent les compétences nécessaires pour passer une vie en santé alors qu'ils deviennent adultes. De la maternelle à l'école secondaire, les élèves doivent apprendre l'importance d'une saine alimentation et des dangers de la drogue et de l'alcool. Il faut qu'ils aient accès aux activités sportives et de loisirs. Il faut soutenir les élèves sur le plan de la santé mentale aussi. Il y a poste pour conseiller d'un conseil scolaire dans ma circonscription qui doit être comblé. Le gouvernement doit pourvoir ce poste pour que les élèves puissent avoir les services de santé mentale dont ils ont besoin. Et si une école a la chance d'avoir des services de counseling, un taux élevé de roulement signifie que les élèves ne souhaitent pas demander de l'aide, car ça devient de plus en beaucoup plus difficile
d'avoir un bon rapport avec les conseillers. Il faut donc que tous les élèves soient soutenus sur le plan mental et physique et affectif. Nous devons faire davantage pour que nos élèves puissent attendre avec impatience leurs avenirs. J'aurai des questions pour la ministre de l'Éducation plus tard aujourd'hui. Merci. Merci à la députée de Decho. Déclaration de députée, députée de Yellowknife Centre. Merci, Monsieur le Président. Les sages-femmes font énormément de différentes choses, des services de conseil, des informations sur la grossesse, la santé sexuelle. Elles demandent des échographies et fournissent toutes sortes d'autres services. Elles fournissent des informations avant et après l'accouchement et elles sont devenues une partie du réseau de la santé. Si vous n'êtes pas convaincu par le côté humain, peut-être vous serez convaincu par le côté financier en Alberta et en Colombie-Britannique. On a réalisé des économies de 6 et de 7 millions de dollars en utilisant les services des sages-femmes. Selon l'association Safe Alternatives for Childbirth, on réalise des économies de 500 $40 par naissance. Et comparé au programme obstétrique, ça coûte 2000 $ moins cher. Un institut associé à l'Université de l'Alberta nous dit qu'on peut réaliser des économies de 1200 $ par naissance en Colombie-Britannique au cours du processus de 28 jours après l'accouchement, c'est quelque 2000 $. Monsieur le Président, c'est une excellente idée de nous pencher sur la possibilité d'avoir des sages-femmes chez nous. Je suis personne très pratique. Ailleurs au Canada, on pose des questions sur l'importance des services. On ne compare pas les services des sages-femmes à l'obstétrique, mais c'est une question de bon partenariat. Il y a des économies à réaliser. C'est moins traumatisant. On améliore les soins aux patients et on utilise moins de médicaments. Ce sont de bonnes choses. Donc, on se pose la question pourquoi le gouvernement ne fait pas davantage. Mais en fait, il fait davantage. À la page 136 du plan d'affaires, on va passer en revue les règlements. Si vous regardez le mandat à la page 5, on voit que le gouvernement veut poursuivre la mise en œuvre de l'enquête sur les femmes et filles autochtones assassinées et disparues. Ici, on voit aussi l'importance du rôle des sages-femmes. Les sages-femmes sont excellentes et on en parlera plus tard aujourd'hui. Merci au député de Yellowknife Centre. Député de Yellowknife Sud. Merci, Monsieur le Président. En avril, l'Assemblée législative a organisé notre simulation parlementaire annuelle. Je l'attends avec impatience à chaque année. Les jeunes personnes peuvent s'exprimer sur leurs priorités pour l'avenir. Ma déclaration a été écrite et lue par Kegan Ball, qui a représenté Yellowknife Sud comme ministre de l'Infrastructure. Monsieur le Président, aujourd'hui, je voudrais parler de l'autoroute de la vallée Mackenzie. C'est un projet dont on a parlé depuis des décennies et qui va nous permettre d'agrandir nos collectivités et de mieux les approvisionner. Jusqu'à maintenant, 40 des 42 ponts ont été construits et au cours de la prochaine saison de construction, nous allons commencer la construction des deux ponts qui restent. La distance prévue, c'est entre Wrigley et Norman Wells. Une fois ce projet terminé, il va inclure les collectivités tout au long de la chaussée Tuktoyaktuk. Cette chaussée signifie des liens vitaux à ces collectivités, peu importe les niveaux d'eau élevés ou peu importe des problèmes vis-à-vis des pistes d'atterrissage. Ça va nous aider à amorcer d'autres projets d'infrastructure. Moi, je voudrais venir en aide aux collectivités dont l'accès est difficile
Par exemple, lorsqu'on essaie de livrer du carburant dans les collectivités de la vallée Mackenzie. Une autre raison pour laquelle je me concentre sur ce projet, c'est le changement climatique et ses perturbations causées par les incendies de forêt et les niveaux d'eau peu élevés. J'avais parlé des difficultés des barges, la fonte du pergélisol et j'en passe. Cette chaussée va nous aider à régler pas mal de ces problèmes. Au cours des prochaines années de la construction de cette chaussée, nous allons devoir continuer à utiliser les avions et les barges. Mais les chaussées vont nous permettre de mieux réapprovisionner ces collectivités. Merci à Kagan qui m'a permis de lire sa déclaration dans cette chambre. Merci à la députée de Yellowknife Sud. Déclaration de député, collègues, aujourd'hui, je voudrais célébrer la vie de Billy Alfred Denoa, qui est né le 9 mars 1968. Il était un parmi 11 enfants. Il a assisté à l'école Thomas Simpson. Il avait la chance de ne pas devoir assister à un pensionnat autochtone. On l'a appris à chasser et à piéger. Il se rendait au chalet pendant des semaines où il faisait du piégeage et amenait des fourrures à la maison. Lorsqu'on parlait de Billy, on disait toujours qu'il était travaillant, qu'il aimait être en plein air durant l'été. Il faisait toutes sortes de travaux en vue de l'automne. Le week-end, on le voyait réparer son VTT. Il a travaillé chez une entreprise aérienne pendant des années. Billy aidait à chaque année ses sœurs avec leur jardin. Il aidait à planter des pommes de terre en automne. Il aimait bien faire la récolte des légumes. Il aimait ses nièces et ses neveux comme ses propres enfants. Il leur racontait des blagues, il racontait d'excellentes histoires. Par exemple, deux de ses nièces ont vu son skidoo et ont essayé de l'allumer. Et puis, sa motoneige est entrée en collision avec un arbre. Donc, elles ont dit, Bill sera fâché. Et donc, finalement, elles ont pu la remettre là où elles l'ont trouvée. Mais quelques heures plus tard, il leur a posé la question, pourquoi vous avez appelé l'arbre? Donc, et puis, il s'est mis à rire. Donc, il était toujours optimiste. Et si vous aviez besoin d'aide, il était toujours là pour vous aider. Il va manquer à sa famille et c'est difficile de lui dire adieu. Sa famille aimerait remercier tout le monde de leurs condoléances et pour être venu à ses funérailles. Il est maintenant avec ses parents, ses membres de la famille, en train de surveiller sa famille. Déclaration de député. Présentation des visiteurs de la tribune. Présentation des visiteurs de la tribune. Réponse au discours sur le budget, journée 7, journée 3 sur 7. Rapport de comité à la suite de l'étude de projet de loi. Rapport de comité permanent et spéciaux. Réponse aux questions orales. Remerciements. Questions orales. Député de Great Slave. Merci, Monsieur le Président. Mes questions s'adresseront au ministre des Affaires municipales. Selon le plan d'urgence des TNO, l'équipe de gestion des urgences s'est activée en situation d'urgence. Donc, le ministre peut-il expliquer quelles mesures de coordination seront mises en place en situations qui ne sont pas catégorisées comme des situations d'urgence? Ministre des Affaires municipales et communautaires. Monsieur le Président, il y a différentes catégories de situations d'urgence. Chacune des catégories a différentes étapes
pas suivre parce qu'il y a des ressources nécessaires, donc selon les différentes étapes. Typiquement, on participe à toutes les étapes, mais à titre d'observateur. On travaille avec les surintendants régionaux, avec le ministère, avec le gestionnaire des réponses aux urgences. Mais à chaque étape, le ministère participe aux mesures, peu importe si on en a besoin ou non. Mais donc, on est là si on est nécessaire au niveau local. Peut-être nous n'aurions aucune participation, ce ne serait que la collectivité locale qui y participe et qui s'occupe de son propre plan. Il y a des choses de ce genre qui se passent à Hay River, mais au niveau régional, le ministère jouerait un rôle plus important et pourrait fournir plus de ressources. Et la même chose s'applique aux organisations régionales. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci, Monsieur le ministre. Questions orales, député de Great Slave. Merci. Le ministre va-t-il changer la page alerte des TNO? Et va-t-il utiliser un mécanisme centralisé qui pourrait inclure toutes les informations nécessaires comme ce qui est offert par l'appli sur les incendies de forêt en Colombie-Britannique? Le ministre des Affaires municipales et communautaires, le ministère essaie d'améliorer le système d'alerte des TNO. On a travaillé avec la GRC à cet égard. On essaie toujours d'améliorer notre façon de communiquer. À l'heure actuelle, on utilise le système alerte TNO. Il y a aussi d'autres applis disponibles, Alertable par exemple, où on peut choisir sa région afin de recevoir des informations sur les situations d'urgence. Au niveau local, les meilleures ressources sont vos agences locales, donc l'administration communautaire, l'équipe de réponse aux urgences, quelle que soit sa forme. C'est de ces sources que vous allez trouver les personnes expérimentées. Et ces informations seraient aussi utilisées par le ministère ou par les organisations des mesures d'urgence territoriales. Mais en situation d'urgence locale, et si une entité locale s'en occupe, ce serait les municipalités qui s'occupent de la communication, et peut-être ces informations ne seraient pas fournies à toutes les collectivités, par exemple en utilisant l'application Alertable. Merci au ministre. La députée de Great Slave, merci, Monsieur le Président. Il me semble qu'on n'arrive pas au fond des choses, mais je vais poser ma prochaine question. Le ministre fera-t-il en sorte à ce que des informations très claires, des informations sur les incendies de forêt, les informations sur les périmètres des incendies de forêt, des informations sur la qualité de l'air, et j'en passe, est-ce que ces informations pourraient être disponibles sur le site web Alerte TNO? Merci à la députée de Great Slave, le ministre des Affaires municipales et communautaires. Merci, Monsieur le Président. C'est une nouvelle façon de faire par rapport à notre stratégie de communication. Le ministère va se pencher là-dessus et nous espérons avoir beaucoup d'informations disponibles sur cette page, comme l'a suggéré la députée. C'est une bonne idée, mais c'est une question d'améliorer le site web pour que ces informations y soient disponibles. Et nous allons continuer à améliorer ce site web. Merci au ministre des Affaires municipales et communautaires. Questions orales. Merci, Monsieur le Président.
Mes questions seront liées à ma déclaration de député sur les sages-femmes. Je lisais un rapport, le rapport final de l'enquête sur les femmes et filles autochtones assassinées et disparues. J'ai vu le nom suivant, Lisa Simler. Je présume qu'elle connaît très bien le rapport. Je voudrais mentionner la page qui discute du rôle des sages-femmes. Donc, la question s'adresse à la ministre de la Santé. Comment la ministre fait quoi pour réaliser son objectif vis-à-vis des sages-femmes qui est lié au contenu du rapport, qui est aussi lié au mandat et au plan d'affaires du gouvernement des TNO? Merci au député de Yellowknife Centre, la ministre de la Santé et des Services sociaux. Merci, Monsieur le Président. C'est excellent que nous sommes d'accord. Moi, j'aime bien les sages-femmes. Dans les TNO, nous aimerions ajouter le rôle des sages-femmes au programme qui existe déjà. Mais à l'heure actuelle, nous avons de la difficulté à pourvoir les postes dans les collectivités là où il n'y a aucun service prénataux. D'où l'importance des sages-femmes. Cela permet de s'accoucher près de la maison et avec sa famille. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça que nous mettions l'accent sur le rôle des sages-femmes. C'est excellent qu'on est d'accord. Et j'attends avec impatience la prochaine réponse de la ministre. J'aimerais à ce qu'elle explique la façon dont les services des sages-femmes ont été offerts dans les TNO. Et j'aimerais aussi savoir quelle est la réponse de la ministre par rapport au conseil fourni par le Conseil des sages-femmes pour ce qui est du recrutement des sages-femmes. Il me semble que vous avez posé plusieurs questions. Ministre de la Santé et des Services sociaux. Les postes qui sont actuellement dans les collectivités sont des postes financés par le gouvernement. Et oui, je suis au courant des conseils de cette association. Nous avons créé ces postes en collaboration avec le ministère. Donc, à Fort River et à Fort Smith et Hay River, il n'y a pas de services d'accouchement, des services qui existent dans d'autres collectivités. Nous allons changer notre façon de faire afin d'offrir ces services dans d'autres collectivités. Si cela veut dire travailler avec le conseil consultatif pour que les femmes puissent accoucher plus près de leur collectivité, et nous avons de la difficulté à faire du recrutement à Hay River. Là-bas, on soutient Dananakwe dans le cadre de leur service pour les mères qui viennent d'accoucher. Et donc, si on n'offre pas les services à Hay River, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres services disponibles pour cette collectivité autochtone. Ma question pour la ministre, quand a été la dernière fois où on a fait du recrutement dans la région de Yellowknife, qui nous permettent de soutenir les centres régionaux? Yellowknife, c'est la moitié de la population. Donc, la ministre envisage quoi sur le plan du financement afin de recruter plus sages-femmes à Yellowknife pour offrir plus de services d'accouchement, y compris le service des sages-femmes? La ministre de la Santé et des Services sociaux. Donc, plus il y a de soutien à Yellowknife, moins il y aura d'employés en première ligne. Donc, nous allons
maintenir un poste pour que les services puissent être offerts. Si on offre ces postes à Yellowknife, ça veut dire moins de sages-femmes dans les autres collectivités. Merci à la ministre de Santé et des Services sociaux. Question complémentaire finale. Donc, comment la ministre peut-elle justifier réduire les services offerts dans les collectivités? La ministre peut-elle expliquer pourquoi cela réduit les services disponibles dans d'autres collectivités en ne pas appuyant le service, le programme pour sages-femmes à Yellowknife? Monsieur le Président, il reste un poste pour ces deux collectivités. Merci à la ministre de la Santé et des Services sociaux, députée de Nouvelle-Bootlake. Merci, Monsieur le Président. Dans ma déclaration, j'avais mentionné l'importance de la transition du Collège Aurora qui va devenir Université Polytechnique. J'ai parlé d'un centre d'innovation que nous avons financé depuis un certain temps. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. La ministre va-t-elle financer ce centre pour qu'il puisse continuer son travail important? La ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président. Merci au député de sa question. Le Centre pour l'apprentissage, l'enseignement et l'innovation a été créé en mai 2020 et fermé en mai 2023. Le centre était financé par Affaires du Nord Canada. D'après mes informations, il n'y a pas d'autres financements disponibles de l'Agence canadienne de développement économique du Nord. Et je n'ai pas reçu de telles demandes du Collège Aurora. Nous n'avons pas la capacité de financer ce centre à l'heure actuelle, mais si on me demande de le faire, je pourrais travailler avec le Collège à ce sujet pour l'aider à faire ses négociations avec Canora. Canora a fait preuve de générosité pour ce qui est des programmes qu'il soutient dans les TNO, où je pourrais parler au président pour savoir s'il souhaite rouvrir ce centre. Merci à la ministre de la Santé et des Services sociaux, députée du Nouvelle-Bootlake. Merci à la ministre de sa réponse. Le financement était à peu près 500 000 $ par an. On a fait la demande, mais on n'a pas reçu plus de financement de Canora. Cela dit, dans ma déclaration de député, j'ai parlé de l'équipe de transition et de son travail qui se faisait avant la création du conseil d'administration. Le collège, c'est une entité autonome, mais nous pourrions leur venir en aide. Donc, la ministre va-t-elle financer une équipe de transition du collège pour que le collège puisse avoir l'expertise nécessaire? Ou peut-être la ministre pourrait nous aider à travailler avec les employés du gouvernement. La ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président. L'équipe de transformation du Collège Aurora était en place jusqu'en 2023. À ce moment, l'équipe a été dissous. Donc, ce montant d'$1 million, en fait, on en parlait la semaine dernière. Et on avait le soutien du ministère et du Collège Aurora pour que ce financement soit utilisé à des fins de transition et de transformation. C'est ce qui a été prévu. Par rapport à cette idée de reconstituer l'équipe, je n'ai pas reçu de telles demandes du Collège Aurora. Merci à la ministre de l'Éducation, députée de Nouvelle-Bootlake. Merci, Madame la ministre. Oui, je suis au courant de ce montant d'$1 million qui a été reçu et qui était censé être utilisé pour offrir un nouveau programme de baccalauréat en éducation. Et finalement, le collège l'a utilisé pour un programme d'études générales qui va devenir les deux premières années du programme de baccalauréat. Donc, ça a été le rôle de ce montant d'$1 million.
Si j'ai bien compris, le budget de l'équipe de transition était à peu près 3 millions de dollars par an. Donc, la ministre serait-elle prête à étudier une demande pour augmenter le financement pour ce programme de baccalauréat en éducation? La ministre de l'Éducation, je suis prête à avoir n'importe quelle discussion avec le collège dans le domaine de la transformation. C'est quelque chose qui fait partie du mandat du collège et il y a une entente avec entre le collège et le ministère. Cette entente arrive à échéance en juillet de cette année. Et d'après moi, la transformation demeurera un élément important de ce document. Au cours des 6 derniers mois, nous avons eu une excellente relation avec le président du conseil et je suis prêt à continuer cette relation. Je suis prêt à avoir n'importe quelle discussion. Question complémentaire finale. Le député de Nuvik-Bootlake, merci à la ministre. Merci de sa réponse. Je sais qu'elle est passionnée au sujet de ce projet. Étant donné que dans ma déclaration, j'ai dit que les échéanciers ont été retardés, certains objectifs ne seront pas atteints selon les échéanciers prévus. Donc, la ministre peut-elle nous expliquer quels changements ont été apportés aux échéanciers? La ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi. Monsieur le Président, oui, absolument, c'est quelque chose qu'il faudrait rendre public. C'est aussi très important de penser au bon travail fait par l'équipe de transformation du Collège Aurora ainsi que par le Collège Aurora. Il y a 80 livrables dans cette transformation, 66 ont été menés à bien par l'équipe de transformation du Collège Aurora. Et le Collège Aurora a continué ce travail et 3 autres livrables ont été terminés au cours des derniers mois. Donc, le travail se poursuit et c'est très important de célébrer les progrès réalisés. Collègues, alors, il y a déjà 18 minutes à écouler, mais il y a seulement 3 personnes qui ont pris la parole. Alors, on va s'assurer, s'il vous plaît, gardez vos questions précises. Alors, député de Sarpou. Merci, Monsieur le Président. J'ai souligné l'état critique auquel on se trouve en matière des eaux faibles et de l'expédition de maritime à rivière. Alors, justement, dans ce nouveau budget, est-ce que la ministre pourrait confirmer la liste des unités d'habitation qui seront destinées à la région de Satou? Merci, député de Satou. La ministre de la Société de l'Habitation et Territoire du Nord-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Alors, on peut confirmer vis-à-vis l'annulation que la barge à Teltis, il y avait un nouveau duplex qui devrait être livré pour l'exercice 2024-2025. Merci, Monsieur le Président. Question orale, député de Santou. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la ministre pour cette réponse. Alors, si je peux passer maintenant à ma prochaine question que j'ai préparée pour aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président, le 29 février de 2024, j'ai demandé à la ministre de nous offrir un inventaire des habitations vis-à-vis l'annulation de MTS. Alors, c'est quoi les plans d'alternatives en matière de construction et d'unité. Merci, Monsieur le Président. Réponse. Monsieur le Président, merci. Alors, l'annulation des barges, c'est dommage. Alors, on va pouvoir expédier une grande partie de l'équipement de Sartou, mais qu'est-ce qu'on va être capable de faire au sein de la société d'habitation? On vise à rénover le duplex sur l'autoroute hivernale. Puis, on doit pouvoir le construire pour permettre le transport hivernal et aussi de permettre l'expédition à Telida pendant cette époque. Merci, Monsieur le Président. Député de Santou. Merci, Monsieur le Président.
Il y a un coût d'immobilisation, des retards, il y a un facteur, et je ne sais pas exactement qu'est-ce que ce coût aura. Et parce que je n'ai pas accès à ces renseignements, ça pourrait revenir à hanter le gouvernement en matière des pertes d'immobilisation. Alors justement, le coût aurait augmenté deux fois si on attend 6 mois. Alors, la question est la suivante. L'habitation préparée par ou construite par les Autochtones est en train d'être proposée. Est-ce que la ministre accepte d'examiner les dates de convocation de cette rencontre? Merci. Réponse. Merci, Monsieur le Président. Et j'aimerais remercier le député McLean pour cette invitation. Alors, j'ai rencontré dans cette habitation à plusieurs reprises, mais juste en mode virtuel, mais j'aimerais bien avoir une rencontre présentielle comme ça on pourra parler directement des enjeux. Merci, Madame la ministre. De la Société d'habitation des territoires du Nord-Ouest. Question député de Santou. Merci. Est-ce que la ministre pourrait répondre à la deuxième partie de mes questions? Est-ce que la ministre pourrait me proposer des dates? Est-ce que ça soit le mois de juillet ou le mois d'août? Merci. Merci, député de Santou. La ministre de la Société de l'habitation. Merci, Monsieur le Président. La ministre de la Santé à propos 2027, alors clairement, ce sera plus tôt. On parlera au cours des prochains jours pour examiner les dates. Merci. Alors, j'ai appris que vous avez pris la proposition de la ministre. Alors, merci. Question orale. Le député de Montfuy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, alors, je veux que les jeunes sachent que les trafiquants, la cartel, on ne s'inquiète pas pour à propos d'eux. Alors, avec cela, l'esprit, la RC a remarqué dans les médias qu'ils ont besoin d'une réponse. Comment est-ce que le gouvernement peut soutenir la GRC pour leur aider à faire face à la hausse de trafiquants et de trafic de drogue? Merci, député de Montfuy. Le ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Je sais que le budget est en train d'être examiné par le comité plénier, alors j'en parlerai davantage. Alors, j'ai hâte que ce budget soit adopté et qu'on puisse mettre en place cette unité de réduction de criminalité en place. Merci. Alors, je vais recommencer. Alors, je vais juste devoir offrir une promotion. Alors, député de Montfuy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, alors, il y a des communautés dans les territoires du Nord-Ouest qui n'ont pas de présence de la GRC cohérente. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer qu'est-ce qui est en train d'être fait pour apporter les améliorations nécessaires pour augmenter le nombre de corps policiers dans le territoire du Nord-Ouest? Merci. Ministre de la Justice, merci. Alors, il y a des communautés qui n'ont pas de GRC présent. Il y a la GRC qui doit se déplacer à ces communautés de manière régulière. Alors, qu'est-ce que nous avons subi au cours des derniers 4 ans? Peut-être c'était pas aussi régulier comme on aurait souhaité, mais il y a des agents dans la ligne budgétaire pour que se déplacent les Guématies. La GRC aussi a assumé une nouvelle approche pour pouvoir lutter contre le trafic de drogue. Alors, nous avons eu la hausse de drogue illicite au cours des 4 à 5 années. À cause de cela, la GRC a apporté d'ajustements à leur tactique. Et en effet, on a commencé une hausse de 30% des détentions, des arrêts. Alors, puisque des chefs d'accusation ont été déposés deux fois, les chefs d'accusation, nous avons saisi des armes à feu. Alors, il y a beaucoup d'initiatives pour prévenir l'introduction des drogues illicites, puis aussi les patrouilles en place. Il y a d'autres initiatives qui s'en viennent, mais j'aimerais travailler avec le gouvernement fédéral. Cela exigera beaucoup plus de travail. Député de Montfrey. Monsieur le Président, Monsieur le Président. Alors, le ministre a raison avec tous les propos qu'il a mis avant, mais Agami a besoin de détachement. La GRC aussi a avoué publiquement qu'il y avait
un enjeu pour assurer la rétire des comptes et des délinquants. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour assurer l'imputabilité des délinquants? Merci, ministre de la Justice. Merci, monsieur le Président. Alors, un des enjeux auxquels on fait face présentement est le suivant. Alors, au cours des dernières années, à la fin des années 2010, il y a des changements législatifs au code pénal. Il y avait une décision de la Cour suprême du Canada qui ont mené à l'état suivant, que les gens ne soient pas détenus davantage, alors que ce soit faire un cautionnement puis sont libérés sous la même journée. Certains de ces délinquants, délinquantes, alors c'est innocent juste à ils démontrent innocent, mais sont arrêtés la semaine dernière, le jour après. Et ils continuent avec cette tendance. Alors, justement, le déterrant du fait qu'ils ne sont pas détenus, ils n'est pas en train de fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec les autres ministères de la Justice et d'autres premiers ministres provinciaux? On est en train de demander au gouvernement fédéral de faire une refonte de le cadre du cautionnement. Puis, justement, je vais accueillir tous les ministres de la Justice provinciale pour une rencontre annuelle. Alors, ce sera soulevé à ce point-là. Alors, il y a du lobbying qui se fait à l'échelle nationale pour s'attaquer à cet enjeu parce que ce n'est pas simplement un enjeu territorial ou provincial. Merci. Dernière question complémentaire, député de Murphy. Monsieur le Président, alors c'est triste de voir nos jeunes remplis de vie, pas d'effet. Alors, on peut simplement examiner le centre-ville de Yellowknife, c'est répété ici. Et même au sein des petites communautés. Alors, qu'est-ce que le gouvernement territoire nord-ouest peut faire pour entraver le trafic de drogue ici dans le territoire? Merci. Réponse. Merci, Monsieur le Président. Ma conjointe et moi-même, on a un territoire, et des fois, on va se croiser quelqu'un qui se retrouvait dans ce jeu-là, qu'on avait une divergence de nos, d'autres chemins, puis ils ont assumé cette vie, puis c'est difficile à nous avoir. Alors, je sais, lorsqu'on le voit au sein de notre famille, lorsqu'on voit nos chers, on voit au sein de la communauté, c'est très difficile. Alors, c'est un enjeu important et on le subit tous ou toutes d'une manière ou autre. Alors, différents éléments qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir s'attaquer à cet enjeu. On est en train d'examiner comment pouvoir de fermer les maisons de drogue. On va introduire justement la loi SCAN qui va permettre les premises que soient, ou les établissements soient clos au lieu d'assurer les fictions. C'est un autre outil à disposition de la GRC. Il y a la loi de la confiscation civile. Alors, ça permet au gouvernement de retenir justement des produits de criminalité sans condamnation dans certains cas. Alors, on est en train de prendre les étapes nécessaires, que ce soit du côté du gouvernement de la GRC, pour pouvoir s'attaquer à cet enjeu. Ultimement, je vais vous partager pour poursuivant. C'est une question de la santé publique, l'utilisation de la drogue. Je regarde les examens de voir les Américains et puis dépensent des montants importants, des milliards de dollars, des millions de dollars. Mais on a besoin de cela pour pouvoir s'attaquer à cet enjeu. Alors, merci, Monsieur le ministre. Question au député de Frame Lake. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comment est-ce que le ministre des Affaires communautaires et municipaux va s'attaquer les enjeux lié à ce qui se passe sur le territoire? Merci, député de Frame Lake, ministre de Maca. Merci, Monsieur le Président. Alors, les enjeux de capacité au sein des communautés, le ministère est en train de travailler avec les communautés de proximité pour pouvoir mettre en place les ressources supplémentaires nécessaires. Et c'est une occasion pour un gouvernement local, aussi un besoin pour besoin de ressources supplémentaires, le ministère va demander pour plus d'aide ou d'obtenir de plus de ressources. Et pour arriver au point où on va devoir se tourner vers d'autres communautés ou d'autres sociétés pour nous aider avec les enjeux de capacité. Mais de manière générale, c'est en comble les communautés de déterminer leurs capacités et leurs besoins. Et le ministère est toujours là pour leur aider, pour se préparer. Merci. Question orale, député de Frame Lake. Merci, Monsieur le Président.
Et je suis content d'entendre que les missions sont là pour aider les communautés dans l'édification, mais il y a une lacune entre-temps. Comment est-ce que le ministère de Maca est en train de coordonner avec les municipalités en vue de la saison des feux de forêt? Serait prêt pour pendant qu'on travaille sur ces solutions de plus longue date. Merci. Réponse. Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne suis pas au courant de lacunes. Alors, s'il y en a, les communautés de proximité doivent nous contacter pour pouvoir s'attaquer à ces lacunes que le député a soulignées. Pendant la déclaration du député, alors j'ai accès aux documents, mais j'ai examiné en ligne pour voir m'assurer que c'était publié. J'ai fait une requête de deux mots. Alors, par exemple, j'ai fait une requête sur le remboursement des coûts et cela, ça m'a mis à l'annexe A, section 8, puis parle de tout le remboursement des frais. Alors, si un gouvernement de proximité n'est pas certain, ils peuvent se tourner vers le plan d'urgence. Ils peuvent examiner tous les renseignements nécessaires et contacter le ministère pour clarifier qu'est-ce qu'on peut faire pour leur aider, par exemple en matière de hosting. Merci. Question orale, député de Frame Lake. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le ministre pour ses réponses. Alors, le ministre a soulevé un point important. Et la manière dont c'est libellé en matière de remboursement des frais, mais ça s'attaque pas à l'enjeu de pouvoir répondre aux besoins de financement pour le rehaussement de capacité. Ils sont en train d'assumer une responsabilité qui n'était pas claire, qu'ils devaient assumer. C'était très clair que l'année dernière, que justement la lacune, c'est qu'est-ce que nous avons vu pendant la dernière saison de feux de forêt. Je veux savoir si le ministère de Maca est en train de s'attaquer à cet enjeu. Et c'est vraiment sa capacité communautaire de pouvoir accroître ses capacités pour répondre aux aléas tels qu'articulés dans le plan parce que on assume que la capacité est là, mais je plaiderais que c'est le contraire. Merci. Réponse. Merci, Monsieur le Président. Alors, si le député a indique qu'il y a une lacune. Je vois pas les lacunes ou je les entends pas. J'entends seulement simplement qu'il y a un manque d'imputabilité, de communication de la part du ministère, mais en même temps, je suis informée par le ministère puis je suis en train de travailler avec les gouvernements de proximité pour s'assurer que tout est comblé, que tout est en train de communiquer correctement. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de lacune et si c'est le cas, j'espère que les communautés nous contactent pour clarifier quels sont les enjeux et comment le ministère peut leur donner un coup de main pour pouvoir éclairer tout enjeu. J'entends le député, alors je suis issue d'une communauté auquel nous avons fait des évacuations locales. Je ne devrais pas dire des évacuations locales plus isolées au sein de la communauté en train d'évacuer la Vale Island, à Newtown, à Hay River. On a mis un centre d'accueil. C'est pas tourné vers le gouvernement pour une instance complète, autre que l'assistance au gouvernement de proximité. Alors, ils sont toujours en train d'apporter des améliorations nécessaires sur l'éducation et de mettre en place des processus avec les centres d'évacuation. Alors, c'est à ce moment-là qu'on est capable d'identifier les lacunes, mais en même temps, Monsieur le Président, alors, le ministère est là pour aider et le gouvernement est là pour combler ces lacunes, c'est le cas échéant. Merci. Dernière question comme la complémentaire, député de Frame Lake. Merci, Monsieur le Président. Alors, imaginons donc une communauté se tourne vers le ministère cet été et puis dit qu'on n'a pas la capacité d'accueillir de communautés. Puis d'autres communautés indiquent qu'ils vont s'évacuer, ils vont évacuer vers cette communauté. Alors, s'il y a une communauté qui nous indique qu'ils n'ont pas la capacité d'accueil, qu'est-ce qu'on va faire? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'espère qu'aucune communauté va rejeter une communauté pendant une évacuation, et j'espère que
une communauté de proximité va contacter le ministère pour de l'aide pour aider l'évacuation, pour accueillir une autre communauté. Je sais qu'il y a des communautés qui ont contacté d'autres communautés alors, pour mettre en place des centres d'évacuation selon leur plan d'évacuation. Et cela, ça ne comprend pas l'implication du ministère, notamment MACAM, ils l'ont fait tout seul. Mais il y a l'assistance de la part du ministère si nécessaire. Alors, j'entends qu'est-ce que le député est en train d'énoncer, mais en même temps, je ne pense pas qu'il devrait avoir cette négligence. Je ne veux pas utiliser ce mot de négligence, mais le fait de ce refus de la part d'une communauté pour aider une autre communauté. J'espère que les communautés seraient prêtes à donner un coup de main les autres communautés. Merci. Question orale, député de Kacho. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pendant ma déclaration de député, j'ai parlé de l'importance de fournir assez d'aide et de promotion au sein des écoles à travers le territoire. Présentement ou récemment, le gouvernement du territoire nord-ouest a commencé à utiliser le curriculum d'éducation de la Colombie-Britannique. Alors, j'aimerais me tourner vers le ministère de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi pour lui demander s'il y avait des changements vis-à-vis la promotion et de l'éducation au sein des écoles suite au changement. Réponse de la part du ministère de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vais commencer mes propos avec la Colombie de la Colombie-Britannique n'a pas intégré au sein de chaque école et année, mais le curriculum adapté couvre un panoplie de sujets de santé, l'équilibre de vie, le bien-être, la compréhension des choix, les relations saines, la gestion de la santé mentale et le bien-être sociétal et émotif. Et à part de ce curriculum, nous avons nos programmes de conseil pour les jeunes, ces programmes de bien-être scolaire et à l'échelle provinciale. Territoriale. Puis avec la modification récente que ça a commencé pendant cette année scolaire, il y avait justement cet élément de la promotion, de la prévention au sein de nos écoles. Alors cela offre toutes les commissions scolaires sont offertes l'autonomie pour concevoir des programmes pour répondre à leurs besoins au sein des différentes régions pour s'assurer que les programmes répondent aux obstacles spécifiques de leurs élèves. Merci. Question orale, député de Getcho. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la ministre pour cette réponse. Monsieur le Président, est-ce que la ministre pourrait nous indiquer ou m'indiquer à moi si les postes de conseiller ont été comblés à Fort Providence? Merci. Réponse. Ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. On défait les silos, puis on travaille ensemble, on fait preuve d'entraide. Alors, on partage des questions aussi dans la chambre qui peut être complexe. Alors, les conseils cliniciens qui se trouvent au sein des écoles communautaires rencontrent le mandat du ministère de la Santé et des Services sociaux. Mais je ne veux pas que la députée gaspille ces questions. Alors, même si ce poste a été comblé à Fort Providence, ça est devenu vacant. Alors, surtout des questions portant sur l'embauche, il faudra se tourner vers la ministre de la Santé et Services sociaux, député de Getcho. Merci, monsieur le Président. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, je vais demander cette question plus tard à la ministre de la Santé et Services sociaux. Et puis, il y a des campagnes de sensibilisation de santé qui sont en cours présentement, auxquelles, par exemple, Drop the Pop ou Swipe Up Butthead. Ces deux campagnes qui sont en cours présentement. En réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais remercier les députés pour cette question. Alors, la campagne Don't be a Butthead campagne et Drop the Pop, ce deux campagnes qui ont été préparées et administrées par le ministère de la Santé et Services sociaux. Alors, ils ont quelques campagnes de promotion en cours présentement. Pas la ministre de la Santé, mais ils ont des programmes pour lutter contre le tabagisme, les habitudes d'alimentation saine. Alors, le ministre Maca offre un financement pour des collations extrasolaires. Alors, justement, il y a des collaborations
intra-ministérielle, les campagnes de l'éducation sexuelle, entre autres. J'invite les individus à accéder aux ressources disponibles dans la promotion de la santé, alors la santé sexuelle, avant le début de la pandémie, il y avait justement, il y avait toute une un enjeu de syphilis. Alors, il y a différents outils disponibles pour les parents, pour les éducateurs et tristes. Alors, merci. Dernière question complémentaire, non? Question orale. Question orale, député de Yellowknife Nord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai une question ou des questions pour la ministre de la Santé et Services sociaux. Quelle est la réponse à la recommandation de l'Association médicale des territoires du Nord-Ouest pour pouvoir élargir le programme de résidence de 2 à 4 par an? Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, alors je reconnais l'importance du programme de résidence familiale et ce programme a été lancé en 2020 et offre une manière de former et de retenir des candidats pour des postes permanents ici au territoire. Il y en a quelques qui sont diplômés de ce programme. Il y en a qui a commencé le 1er juillet 2023. Cependant, je suis d'accord avec ce programme. Lorsqu'on veut assurer le nombre de résidents qu'on peut soutenir et qu'on peut s'élargir leur portée au sein de nos établissements, on doit s'assurer qu'on peut offrir cela à chaque des résidents. Alors, je vais arrêter sur ce et par la suite, je vais lui céder la parole pour qu'elle termine de poser. Elle termine de poser ses questions. Merci, député de Yellowknife Nord. Merci, Monsieur le Président. Alors, étant donné que cette recommandation est issue par la Medical Association, l'Association médicale des territoires nord-ouest, qui est constituée des médecins qui auraient une connaissance de leur capacité pour surveiller, superviser et former des étudiants de la médecine, est-ce que la ministre croit que ça pourrait être réalistique d'élargir ce programme d'ici la fin de 2027, à la fin du mandat de cette Assemblée? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, alors je ne vais pas m'engager cela ici dans la Chambre aujourd'hui parce que je ne vais pas être capable de confirmer si on peut répondre aux exigences de financement, de formation, telles que déclarées plus tôt, mais je suis engagée de pouvoir examiner qu'est-ce qu'on peut faire pour élargir ce programme et si on peut décerner d'autres sources de financement, si on peut le soutenir à travers notre système. Je suis toujours prête à m'engager à continuer ce travail. Merci, Madame la ministre. Question orale, députée de Yellowknife Nord. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'apprécie ce commentaire. Alors, un point positif, c'est que justement, le programme est partiellement financé par l'Université d'Alberta et d'autres partenaires. Alors, j'ai hâte à voir les résultats de l'analyse de la ministre. Une dernière question pour la ministre. Est-ce que la ministre voit une occasion pour pouvoir transférer les sons apprises et les réussites de ce programme pour offrir la formation supplémentaire pratique au sein de notre système? Merci, Madame la Présidente. Réponse. Monsieur le Président, j'apprécie la manière dont que la députée a présenté cela de manière positive. C'est quelque chose de positif pour les territoires du Nord-Ouest. Mais j'aimerais aussi reconnaître que ce n'est pas simplement un programme, mais il y a plusieurs domaines auquel nous avons augmenté le nombre de praticiens, accroître le nombre d'infirmières inscrites pendant 2 décennies en tant que traîne, de diplômés des infirmières praticiennes, des travailleurs de première ligne, des ophtalmologues. Et on espère prochainement de pouvoir ramener les travailleurs et travailleuses sociales, de pouvoir former les travailleurs et travailleuses sociales. Mais je pense qu'il y a une occasion de pouvoir
accroître nos capacités en matière de formation des professionnels de la santé et services sociaux. Et on va travailler avec mon collègue pour s'assurer qu'on est capable de soutenir cette initiative parce que c'est vraiment important pour le territoire lorsque nous travaillons ensemble qu'on puisse former les gens des territoires du Nord-Ouest. Alors, c'est une manière de pouvoir assurer leur rétention ici dans le territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Question orale. Député de Great Slave. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais essayer pas vous respecter et vos règlements. Alors, je vais retourner à la question que j'avais pour la ministre de la Santé et des Services sociaux. Voici la première question que j'ai pour elle. Est-ce que le ministère a demandé les femmes de sagesse? Qu'est-ce qui était nécessaire pour soutenir ce secteur, surtout pour les petites collectivités? Merci. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Avec le programme des femmes de sagesse, je ne sais pas de vous parler de ce qui a été fait au cours des dernières deux décennies, mais Fort Smith était vraiment un moteur. Et l'historique de les femmes de sagesse au sein de Fort Smith a été vraiment le modèle à suivre. Alors, vis-à-vis les discussions qui ont eu lieu avec les femmes de sagesse autochtones, j'ai pas ces renseignements avec moi aujourd'hui, mais on veut être capable de pouvoir offrir ce service lorsqu'il n'y a pas de service à offrir. Merci. Question orale, député de Great Slave. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le ministre. Alors, je sais que c'est une question de dernière minute. Alors, j'apprécie cela. J'espère qu'il va pouvoir faire un retour sur qu'est-ce que le ministère a fait. La prochaine question que j'ai est la suivante. Pourquoi est-ce que les femmes de sagesse n'ont pas été considérées dans la stratégie de recrutement et rétention qui a été appliquée aux médecins et aux infirmières? Merci, Monsieur le Président. Réponse. Monsieur le Président, alors, je n'ai pas ces détails en matière de recrutement. Le recrutement, ça encombre les ressources humaines. Et pour confirmer cela, je vais devoir renvoyer la question à la ministre, mais pour l'instant, je peux faire un suivi et la revenir sur tout le processus. Merci, Madame la ministre de la Santé et Services sociaux. Question orale. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que Monsieur le Président pourrait nous donner une mise à jour sur le rapport d'action pour les incendies de 2023? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est une longue histoire. Nous étions dans cette chambre l'année dernière et nous avons eu une longue discussion pour passer en revue les actions qui ont eu lieu. Nous avons pris en considération tout ce qui s'était passé lors de la réponse apportée aux incendies de forêt 2023. Nous avons discuté avec des employés et mis un rapport général comprenant des recommandations. Parce que la production de ce rapport n'avait pas été influencée par le gouvernement, plusieurs députés, notamment pour Range Lake et Tate Show, a participé à une discussion. J'ai quitté la réunion et nous avons mis en place un comité de supervision. Dont les membres étaient nommés, entre autres, par le gouvernement du territoire du Nord-Ouest. Le rôle du comité était d'évaluer la situation et de recruter et même les sous-traitants qui seraient présents en situation d'urgence. Une fois que c'est fait, le comité s'assure que les sous-traitants ne sont pas influencés par le gouvernement des territoires du Nord-Ouest et on s'assure que
Les rapports également ne sont pas influencés et un rapport sera fait aux trois membres du comité. Donc, le rapport du comité de supervision est actuellement en cours d'élaboration. Nous espérons pouvoir produire ces résultats prochainement. Merci, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le député de Branch Lake. Merci, Monsieur le Président. Je reconnais que nous sommes au même point que le Premier ministre dans ce processus et je me demande donc à quel moment nous pourrons savoir plus sur le rapport produit concernant la gestion de la situation l'année dernière en 2023. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Je sais que la collaboration est nécessaire et je sais aussi que la collaboration prend du temps. Si le gouvernement des territoires du Nord-Ouest avait géré les contrats de lui-même, eh bien, nous aurions eu peut-être 2 mois d'avance, mais nous en sommes maintenant au stade, donc encore une fois, du cours du processus où les contrats seront émis au courant décembre 2024. Merci, monsieur le député de Range Lake. Merci, monsieur le président. Nous avons donc une version temporaire en ce moment. S'il est reconnu que le contrat n'est pas suffisant, allons-nous pouvoir demander un rapport public? Oui, merci, monsieur le député de Range Lake, monsieur le Premier ministre. Je ne veux pas, merci, monsieur le président, je ne veux pas donner d'estimation car ce n'est pas contre les règles de la Chambre, mais je peux dire qu'un suivi sera fait. Merci. Monsieur le député de Range Lake, merci, Monsieur le Président. Est-ce que le gouvernement du territoire du Nord-Ouest va demander à chaque communauté impliquée en 2023 un suivi? Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Je n'en suis pas certain encore à ce stade. Je peux revenir plus tard vers le député avec cette information. Merci. Monsieur le député de Yellowknife Centre. Merci, Monsieur le Président. Un rapport a été publié concernant la surpolicisation des femmes autochtones. Ce qui ressort, c'est que les femmes autochtones ressentent une influence disproportionnée des interventions de police sur elles-mêmes. La GRC ne peut pas ignorer cette conjoncture. Donc, ma question est, Monsieur le Président, comment rediriger le type d'intervention vers d'autres interventions qui ne sont pas l'envoi de la GRC lorsque nous nous trouvons face à une personne, par exemple, en situation d'influence d'un stupéfiant ou autre. Oui, merci, monsieur le député, monsieur le Premier ministre, merci, monsieur le Président. Il est vrai que les territoires du Nord-Ouest ont plus de présence de GRC par habitant que d'autres territoires et provinces au Canada. Donc, il est vrai que là-dessus, les habitants peuvent être sujets plus fortement à des interventions de la police. Et que des problèmes se posent, ça peut être dans des abris ou autre, dans n'importe quel contexte, on se tend souvent vers la GRC. La GRC est fortement familière de problèmes de santé publique et se présente souvent dans les cas où des personnes rencontrent des difficultés ou sont peut-être sous l'influence de stupéfiants. Donc, je pense qu'à l'avenir, nous allons encore une fois avoir besoin de collaboration entre peut-être les professionnels de santé et la GRC. J'en suis pas certain à ce stade, mais je suis très ouvert à explorer d'autres voies de solutions.
La GRC doit mettre en œuvre le code criminel et se retrouve aux prises avec des personnes qui sont sous l'influence de l'alcool en milieu de journée, et ce n'est pas un bon usage du temps de la GRC, et ce n'est pas non plus un traitement idéal de ces personnes. Malheureusement, c'est là où les choses ont évolué. Merci, monsieur le député de Yellowknife Centre. Merci, monsieur le président. Oui, le premier ministre est un bon aperçu du problème, et je pense que nous sommes tous d'accord ici que la GRC, l'intervention de la GRC n'est pas forcément la meilleure solution dans ce cas-là, par rapport à plutôt une intervention des services de santé. Est-ce que monsieur le premier ministre est prêt à mettre en place une collaboration pour explorer d'autres voies de solution qui ne sont pas, par exemple, l'incarcération vers laquelle les personnes se trouvent trop souvent détournées. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci, monsieur le Président. Ce à quoi le député fait allusion, je pense, c'est que nous devons faire avancer ces services. Nous avons une stratégie pour les personnes en situation d'itinérance pour essayer de réduire la fréquence de l'itinérance, et nous essayons encore une fois d'améliorer les choses pour la suite. Merci, monsieur le député de Yellowknife Centre. Merci, monsieur le président. Est-ce que le premier ministre serait prêt à présenter des options possibles avant la session de l'automne? Ça donnerait peut-être plus de marge de manœuvre pour discuter des choses avant cette séance. Oui. Monsieur le Premier ministre, merci, monsieur le Président. Oui, je veux peut-être avoir une discussion avec les députés pour être sûr de ce dont nous discutons actuellement. Et je sais que nous avons tous ces idées à l'esprit, et maintenant il est question de ressources et de financement pour nous assurer de pouvoir les mener à bien. Merci, monsieur le Premier ministre. Question orale, Madame la députée de Montfouet. Monsieur le Président, est-ce que le ministre de la Justice serait prêt à empêcher les personnes en période de caution de franchir la frontière territoriale? Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre de la Justice, merci, Monsieur le Président. Et il y a un moment par le passé où c'était plus facile de se faire. Malheureusement, nous n'avons pas les capacités de le faire actuellement. Nous travaillons avec la GRC qui entreprend des enquêtes. Les employés de la GRC font de leur mieux pour empêcher les drogues de parvenir dans la province. Avant toute chose, j'encourage les gens à contacter la GRC. Si les gens ne se sentent pas à l'aise de contacter la GRC, ils peuvent contacter Crime Stoppers en anglais pour faire le signalement. Et merci, monsieur le ministre. Monsieur le président, pour rendre les territoires du Nord-Ouest rendre leur grandeur au territoire du Nord-Ouest. Petit jeu de mots. Les communautés du territoire du Nord-Ouest parfois ne peuvent plus payer leurs épiceries car ils doivent payer leurs dettes aux trafiquants de drogue. Donc, je demande comment nous pouvons appuyer la GRC pour réduire le crime lié au trafic de stupéfiants, qui rejoint d'autres types de violences également. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre de la Justice, lorsque je répondais aux questions du député plus tôt, j'ai
de signaler que les initiatives les plus efficaces sont au niveau de base. C'est dans notre mandat de nous pencher sur ces questions, donc j'ai hâte de collaborer avec les gouvernements autochtones qui ont de très forts engagements sur ces questions et de déterminer ensemble comment nous pouvons mieux appuyer nos résidents. Merci, Monsieur le ministre de la Justice. Question orale. Chers collègues, le temps est écoulé. Question orale. Maintenant, question écrite. Question écrite. Réponse aux questions écrites. Réponse aux questions écrites. Réponse au discours d'ouverture de la commissaire. Réponse au discours d'ouverture de la commissaire. Pétition. Dépôt de documents. Dépôt de documents. Monsieur le ministre, oui, merci, Monsieur le Président. Je souhaite déposer le document suivant. Merci, Monsieur le ministre, dépôt de document, Madame la ministre du Logement des Territoires du Nord-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Je vais déposer le document suivant, suivi des lettres, des questions orales pour le document. Concernant les logements, merci, Monsieur le Président. Merci, je vais déposer le document sur l'utilisation des infirmières dans les territoires du Nord-Ouest. Merci, Madame la députée de Yamafna. Merci, Monsieur le Président. Je veux déposer un document concernant un document visant à restaurer la durabilité financière pour cette 20e assemblée. Merci. Madame la députée, avis de motion, monsieur le député de IMF Centre. Merci. Je veux renvoyer le document suivant, appuyé par la députée de Kim Lake. La prolongation de deux mandats de 4 ans, ainsi que la nomination de ces derniers rôles à la commissaire. Merci, Monsieur le député. Avis de motion, Monsieur le député de Range Lake. Dépôt de document 94-20 en parenthèse 1, ainsi que le document 94-20 en parenthèse 1 avec l'appui de Inuvik Buglik, de notre député. Merci. La motion est appelée. Tous ceux en faveur, ceux contre, ceux qui s'abstiennent, la motion est adoptée. Les motions, avis de motion pour la première lecture du projet de loi. Première lecture du projet de loi. Deuxième lecture du projet de loi. Deuxième lecture du projet de loi. Étude en comité plénier de projet de loi et d'autres affaires. Déclaration des ministres 4-20 entre parenthèses 1, 5-20 entre parenthèses 1, 17-20 entre parenthèses 1, document déposé,
24-20 entre parenthèses 1, document déposé 94-20 entre parenthèses 1 par le député, voilà, je le retrouve, le député de Tenouli-Wolélé à la présidence. J'appelle maintenant le comité plénier, l'ordre du comité plénier. Merci, Monsieur le Président. Nous voulons étudier le document déposé 94-20 entre parenthèses 1, plan d'affaires en comité plénier. Merci. Le comité est-il d'accord? Très bien. Merci au comité. Nous allons procéder au premier point. Merci au comité. Nous allons prendre une courte pause puis reprendre l'étude.
Nous allons étudier le document 94-21, plan d'affaires. Nous allons commencer des observations générales sur ce document. Tous les députés auront 10 minutes pour se prononcer. Est-ce qu'il y a des commentaires? Commentaires sur ce document, député de New Brunswick. Merci, Monsieur le Président. Je serai bref. Ces plans sont excellents. Beaucoup de travail a été fait. Est-ce qu'on aurait pu être un peu plus agressif dans certains sujets? Oui, absolument, bien entendu. Nous voulons voir des gestes concrets selon ce qui est prévu dans le plan d'affaires. Mais dans l'ensemble, c'est un bon document et je suis reconnaissant envers les ministres de leurs efforts. C'est assez long comme document. Je peux vous parler de certaines choses que j'aimerais voir là-dedans, mais je vais en parler lors de l'étude des prévisions budgétaires qui sont faites à chaque année. Ceci est notre plan sur 4 ans. Et je vais parler des ministères particuliers lors de l'étude du budget. Et à ce moment, je vais pouvoir parler du bon travail fait dans ce document. Le document est bon. Et donc, député, merci aux députés de New Brunswick. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce document? Député de Range Lake. Comme outil de planification, c'est le document qu'il nous faut pour ce plan sur 4 ans. Il y a beaucoup là-dedans des programmes qui seront créés, des mesures législatives qui seront adoptées, des changements de politique. Donc, c'est vraiment un document très important pour cette législature. Mais le côté pratique, c'est quelque chose dont nous allons discuter durant nos délibérations sur le budget. Nous aurons l'occasion de donner nos avis sur les compressions. Ce n'est pas notre document à nous, c'est un document du cabinet. Et à cet effet, c'est un succès. Et nous devrions les féliciter pour avoir déposé ce document. Hier, j'ai fait quelques commentaires assez sévères sur le mandat et c'est ce que ce document est ce que je voulais voir. Il faut que les objectifs soient mesurables et très clairs pour que les gens puissent comprendre notre orientation et les souhaits du gouvernement. Et bien entendu, nous pouvons changer notre approche dans le contexte des débats, mais savoir ce à quoi il faut s'attendre, c'est quelque chose de précieux dans une démocratie, notamment dans un contexte d'un gouvernement de consensus qui parfois a de la difficulté à aller de l'avant de façon agressive. Félicitations par rapport à ce plan d'activité, mais toutes les autres choses ont besoin de plus de travail. Merci au député de Range Lake. Je me tourne vers le député de Satu. Merci, Monsieur le Président. Je soutiens le principe du plan des activités. C'est un document sur 4 ans qui prévoit l'orientation de cette assemblée législative
dans un climat en évolution, que ce soit le coût de la vie dans les petites collectivités, dans les grands centres urbains ou dans les TNO dans leur ensemble. Nous ne savons pas quelle sera la situation financière l'année prochaine ou l'année d'après, mais avoir ces principes directeurs qui nous permettent d'aller de l'avant, cela met en évidence l'efficacité de cette Assemblée législative pour ce qui est de ses efforts pour s'attaquer aux difficultés qui pourraient être des problèmes pour cette Assemblée. Nous ne savons pas quels seront les niveaux d'eau l'année suivante ou quels seront les prix de carburant pour générer l'électricité dans les petites collectivités. Donc, ce sont des coûts imprévisibles, mais au cours des 48 prochains mois, nous devons nous concentrer sur les principes, mais ce sera difficile. Mais c'est une bonne stratégie. Et c'est quelque chose qui explique à notre population quel sera notre plan sur 4 ans. Et j'ai hâte de finaliser ce plan. Merci aux députés de Sartu. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires des députés? D'accord. Ah, je vois une personne. Député de Yellowknife Nord. En fait, moi, j'ai des notes très détaillées, donc peut-être qu'il me faudra plus de 10 minutes. D'abord, je tiens à remercier la fonction publique de son travail pour élaborer ses plans d'activité au cours d'une période très courte. Et merci au ministère pour avoir pris le temps de refléter leurs responsabilités dans ce plan. Par exemple, le rôle du ministère de l'Infrastructure dans l'accès à la santé. Tous les ministères ont essayé d'expliquer leurs responsabilités. Ces plans d'activité sont toujours en cours et il y a une certaine déconnexion entre l'intention vis-à-vis de nos priorités et les mesures qui figurent à ces plans d'activité. Dans certains cas, il y a des choses très importantes qui manquent. Ailleurs, les objectifs ne sont pas suffisamment ambitieux et très souvent, les objectifs sont axés sur les processus plutôt que sur les résultats. L'objectif, c'est le nombre de réunions plutôt que ce qui est accompli dans ces réunions. Donc, je vais aborder chacune des ministères. D'abord, le ministère de l'Environnement. C'est bien que les objectifs sont mesurables et ciblés, mais une chose qui manque, c'est un objectif par rapport à l'alphabétisme et à la littératie. C'est quelque chose qui doit être relié aux priorités de cette... Donc, j'aimerais ajouter un objectif qui dit améliorer les résultats en littératie chez les élèves. Et je comprends que ce n'est pas la responsabilité du ministère d'imposer des stratégies sur les enseignants. Cependant, nous avons besoin d'objectifs clairs. Il y a une certaine contradiction. Le plan dit qu'il faut augmenter la participation au programme d'emploi des petites collectivités, mais en même temps, le budget principal prévoit des compressions pour ce programme. Je suis en faveur de l'engagement de travailler avec les partenaires pour faire avancer un plan pour effectuer une transition de la main-d'œuvre des mines de diamants, mais le ministère ne prévoit pas de cible et dit qu'il souhaite d'abord consulter les partenaires. C'est étonnant que, à la dernière minute, le ministère n'a pas encore défini son rôle par rapport à cet objectif. Nous avons beaucoup fait avec nos partenaires et nous sommes prêts pour définir les gestes à poser. Par rapport à la Giant Mine, en fait, on propose de continuer à travailler
Et la logique, c'est que ça va nous permettre de dépasser les objectifs en matière de création d'emplois. Je remets en question cette logique et le ministère prend l'engagement de travailler avec le secteur minier, avec les ministères, pour que les exigences d'embauche dans le Nord soient plus claires. Et ça va augmenter le nombre de personnes dans le Nord qui sont embauchées et formées. Mais il y a une certaine analyse qui manque par rapport aux gestes qui entraîneront ces résultats, plutôt de tout simplement faire ce que nous avons fait par le passé. Et finalement, par rapport au ministère de l'Environnement, l'objectif en matière de l'accès à la santé est axé sur les programmes de prévention. Mais je suis préoccupé que nous ne sommes pas en train de parler des services de counseling en santé mentale dans les écoles. On se concentre uniquement sur la prévention et sur la promotion. Je ne vois pas d'objectif par rapport aux services de counseling aux écoles. Et d'après moi, les écoles ont un rôle à jouer à ce sujet. Je vais maintenant parler du ministère de l'Environnement et du changement climatique. Quelques-unes des cibles sont bonnes. Mais je voudrais d'abord dire que très souvent, les mesures sont trop axées sur les processus et n'ont aucun sens parfois. Donc cet objectif de pleinement participer à la gestion intégrée des ressources ne dit pas grand-chose. Donc j'implore tous les députés, ne perdez pas des ressources en fournissant des données, par exemple le nombre de dossiers mis sur un portail en ligne ou le nombre de réunions organisées. Ces données ne sont pas utiles, donc je vous implore de ne pas faire la collecte de ces données. Un objectif important, c'est l'examen réglementaire des processus et de la prise de décision en matière d'évaluation environnementale, mais ces choses sont axées trop sur le processus, par exemple le nombre d'examens auxquels participe le ministère, le nombre de processus coordonnés par le ministère. Ce qu'il nous faut, c'est des données qui montrent que des améliorations ont été apportées. Le plan d'activité du ministère de l'Industrie est bien plus utile car il y a certaines choses sur le nombre de projets menés à bien. Il y a aussi un objectif par rapport aux recommandations de la vérification environnementale de 2025, mais qu'en est-il de la vérification environnementale de 2020? Pourquoi nous ne mettons pas en place ces recommandations? Par rapport aux efforts pour soutenir le public pour effectuer le transfert de terrain, le ministère promet d'amorcer les processus de transfert, mais manifestement, il y a certains obstacles qui existent, donc nous devons être plus honnêtes pour identifier ces obstacles et pour expliquer la façon dont nous allons nous y attaquer. Par exemple, est-ce que certaines ressources sont nécessaires? Est-ce que des changements législatifs sont nécessaires? Il nous faut des informations à ce sujet dans le plan d'activité afin de choisir la façon de procéder. Le ministère des Affaires exécutives et des... En fait, ce ministère va aider le gouvernement à aider les ONG à avoir un financement pluriannuel. Mais en fait, c'est un financement d'autres entités. Même si le gouvernement fournit des services de base, on s'attend à ce qu'il y ait un financement du fédéral ou des donateurs privés. Donc certains gestes prévus, d'après moi, ne seront pas utiles. Et très souvent, les ONG n'ont pas besoin de conseils par rapport à leur soumission de financement. Ils n'ont pas besoin de plus de réunions, ils préfèrent recevoir le financement. Donc, il faudrait fournir le financement directement aux ONG plutôt d'organiser des réunions pour les aider à faire des demandes de financement. Quelque chose de plus utile serait de prendre l'engagement de mettre en place les recommandations du rapport, le rapport sur
le secteur à but non lucratif qui a été déposé vers la fin de la dernière législature. Et par rapport à la stratégie sur l'itinérance, ce ministère s'en occupe, donc il y a une certaine déconnexion. Je sais bien que le ministère a pour objectif de mettre en œuvre la stratégie, mais les gestes proposés pour y parvenir concernent 5 équipes et on a l'intention de former quelques comités. Ça ne va pas éliminer l'itinérance et nous en sommes tous au courant. Mais ces plans d'activité devraient adopter les mesures et les objectifs qui font déjà partie du plan sur l'itinérance. Donc, il faudrait les ajouter à ces plans d'activité. Et finalement, par rapport à ce ministère, dans les points saillants du ministère, un projet important, c'est le projet Un gouvernement qui est très loin de nos priorités principales. Je présume que les députés n'ont pas suggéré à ce que les sites web du gouvernement soient consolidés. Donc, d'après moi, ce n'est pas un bon projet. Le ministère des Finances, un geste qui manque par rapport à nos difficultés au niveau de la main-d'œuvre, nous devons avoir des échéanciers moins longs pour nos processus d'embauche. Parfois, nous perdons de bons candidats en raison de ces échéanciers trop longs. Mais à part cela, les objectifs et les mesures sont bons et c'est bien que le ministère va évaluer tous les projets d'un point de vue macroéconomique. Mais si le ministère rend obligatoire l'utilisation d'autres points de vue, parfois, ces différents points de vue entrent en conflit les uns avec les autres. Je m'arrête là. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée de Yellowknife Nord. Et on va permettre à la députée de parler un peu plus tard durant nos délibérations. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je me tourne au député de Frame Lake. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de m'organiser pour un moment, alors où je vais essayer de respecter le temps alloué de 10 minutes, mais c'est difficile parce qu'on parle d'un document assez complet, alors ça va être difficile de pouvoir aborder tous les commentaires que j'aimerais offrir dans une période aussi courte. Mais j'aimerais vous parler de manière plus générique et par la suite, je vais me pencher des éléments plus spécifiques et que je crois qu'ils devraient contenir. Est-ce que nous, comment établir les objectifs mesurables? Il y a des domaines ou des mesurables, il y a des dates, mais simplement les cibles indiquent justement TBD, alors à déterminer. Alors l'objectif est très flou ou tel qu'articulé par l'intervenante précédente, alors c'est plus axé sur le nombre de rencontres et pas sur des objectifs SMART, des objectifs atteignables pour assurer qu'on va assurer la réalisation des objectifs. Est-ce que l'on s'est ciblé? Lorsque j'examine ce document, je suis moins confiant qu'on se penche sur les domaines prioritaires. Mais je crois que le gouvernement est en train de considérer que nous avons besoin justement d'une approche plus interministérielle ou transversale. Je sais qu'il y avait beaucoup de silos entre les différents ministères, alors j'aime voir que chaque ministère a trouvé une manière de se refléter dans les domaines prioritaires de l'Assemblée. Cependant, la question est la suivante. Est-ce qu'on est ciblé stratégique vis-à-vis des actions que nous allons entreprendre pour pouvoir réaliser ces objectifs ou peut-être c'est trop. Alors, je suis moins confiant à cet égard. Je vais examiner des éléments
par un ministère. Ça pourrait prendre des heures. Alors, j'aimerais bien poser des questions. Mais je crois que on a entendu l'idée de pouvoir examiner les plans d'affaires de manière plus approfondie. Alors, c'est quelque chose qu'on est toujours en train d'examiner. Et j'aimerais qu'on fasse un examen plus compréhensif des plans d'affaires. Parce que je reconnais que ce document est fort important vis-à-vis le travail que le personnel est en train d'entamer et aussi pour assurer la réalisation des objectifs. Alors, on va passer maintenant à l'examen ministère par ministère. Alors, je vais commencer avec l'éducation, la culture, l'emploi. Alors, l'engagement de rehaussement de accroître. J'apprécie que le gouvernement fait référence à des objectifs législatifs, mais j'aimerais que le gouvernement met en place des objectifs très clairs vis-à-vis la mise en œuvre de le collège, que ce soit le campus de Yaronneuf qui a été déterminé comme étant un besoin, et comment la mise en œuvre de la polytechnique va se faire. Le collège a indiqué qu'il y a besoin d'habitation. Alors, il y a plusieurs éléments qui doivent se produire pour que ce projet puisse progresser. Alors, on a entendu à maintes reprises de la part de d'autres membres. Alors, j'aimerais voir plus de détails cet effet dans les plans d'affaires. Et je crois qu'on a besoin d'avoir plus de cibles vis-à-vis l'éducation maternelle et la sixième élève. Alors, je pense que c'est important d'avoir vraiment l'objectif, une orientation très claire vis-à-vis qu'est-ce que nous avons présentement pour assurer que nous avons une amélioration importante. Alors, c'est nécessaire pour pouvoir accroître les capacités de la main-d'œuvre ici dans le territoire. Alors, ECE. Alors, un des engagements de pouvoir accroître l'investissement privé dans l'habitation, un point que j'aimerais ajouter au plan d'affaires, est le suivant. Alors, c'est pouvoir viser, pouvoir éliminer les chevauchements en matière de gestion foncière, non simplement le traitement des demandes, mais d'éliminer le chevauchement de remplacer le chevauchement avec des politiques vis-à-vis l'emploi des financements pour s'attaquer aux inquiétudes de gestion financière, mais aussi de mettre en place des politiques et de que les municipalités assument cette responsabilité comme on voit dans d'autres administrations. Alors, accroître l'investissement à les plans d'affaires par justement la vérification environnementale 2025, puis je sais que plusieurs recommandations de ce travail n'ont pas été mises en œuvre à leur ETI par justement. Désolée, je vois ça un petit peu trop rapide, mais j'aimerais voir que le SE établit des objectifs pour la mise en œuvre de la vérification environnementale 2022 en respectant les délais. Alors, c'est important de remarquer que une grande partie des recommandations de 2022 devraient être réalisées au lieu d'attendre 2025. Alors, j'aimerais aussi remarquer que ETI parle de les dialogues de Mackenzie Valley, mais ce n'est pas reflété dans le plan de CE, mais le ministère de CE est responsable pour les recommandations. Alors, il y a une lacune entre les deux ministères vis-à-vis leurs obligations. Je vais passer très rapidement maintenant au ministère des Affaires municipales et communautaires. Je sais que je suis en train de sauter d'ici de là, mais je suis en train de respecter les notes que j'ai prises. J'aimerais que voir ce ministère éliminer les chevauchements en matière de gestion foncière entre les municipalités. J'aimerais qu'il mette une nouvelle convention de formule de financement. On en a parlé justement, financement communautaire. Je pense que c'est une manière équitable de pouvoir s'attaquer à cet enjeu. Alors, j'aimerais que cela soit reflété ou adressé dans ce mandat. Alors, le chronomètre passe très rapidement. Alors, toutes les revendications territoriales ou territoriales, j'en ai mentionné auparavant, ne sont pas assez ambitieux ou on ne sent pas être assez ambitieux. Je sais qu'elles ont besoin de travailler avec des partenaires et le gouvernement n'est pas seul, mais j'aimerais souligner l'importance de le règlement des revendications
territorial envers les gouvernements autochtones et j'aimerais que le ministère traite ces demandes le plus tôt rapide et d'arriver à la table pour clore cela au lieu de l'étirer indéfinitivement. Comme le député a mentionné, j'aimerais voir un plan de mise en œuvre, des estimations de coûts pour pouvoir justement rehausser le rapport là, des OBNL dans le secteur de la petite enfance. J'aimerais financer les OBNL davantage et j'aimerais en parler un petit peu plus. Au passé, la réponse du gouvernement est la suivante. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour pouvoir résoudre l'enjeu? Alors, on voit un rehaussement du personnellement d'une manière assez importante au cours des dernières années. Et je ne pense pas qu'on est en train de considérer que nous avons besoin d'être en train de réfléchir. Comment on peut aider les autres? Comment on peut faire preuve d'entraide au lieu de prendre le financement qui pourrait être dirigé vers ces OBNL? C'est une manière de changer les choses. Je pense qu'on parle d'un virage dans le mandat pour en parler davantage, mais malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour le faire. Alors, le ministère de la Santé. J'ai eu un grand nombre de notes. Alors, en matière de la santé, je suis assez contente avec le plan d'affaires ici. J'aime qu'ils sont en train de se pencher sur les soins primaires. La seule omission flagrante que je ne vois pas reflétée ici, c'est l'enjeu justement de la gestion des ressources humaines en matière de HTSSAA. Il y a beaucoup de bruit autour les infirmières d'agence, entre autres. Je ne veux pas en parler ici, mais je ne vois pas d'un plan concret dans ces plans d'affaires pour pouvoir s'attaquer à cet enjeu. Puis, on a entendu de la part des professionnels de soins de première ligne qu'ils arrivent à un point de rupture ou sont déjà là, mais on a besoin de pouvoir s'attaquer à cet enjeu ou ces enjeux au pluriel. Maintenant, ITI. Alors, j'apprécie qu'il veut mettre de l'avant une vision économique. Et ce qui manque présentement, c'est les qui, le comment, le pourquoi, les délais associés. J'aimerais qu'on mette en place un délai ou un type de délai échéancier parce que c'est attaché aux tâches qu'on est en train d'entamer. Et avoir une vision, c'est un élément clé. Je sais que je suis venue à la fin du temps loué. Alors, je vais attendre la deuxième ronde pour compléter mes commentaires. Merci. Merci, député de Frame Lake. Avant de céder la parole au prochain intervenant, j'aimerais vous offrir un commentaire. Député, à titre de rappel, d'attendre la lumière qui s'allume avant de prendre la parole et lorsque vous avez terminé votre allocution, de remercier cela, car alors c'est très clair que vous avez terminé et de cette manière, l'équipe technique sera au courant de le début à la fin de votre allocation. Est-ce qu'il y a des commentaires de la part des autres membres? Alors, j'en vois pas d'autres. Alors, je vais me retourner devant de nouveau au député de Yellowknife Nord. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie ce deuxième tour ou cette deuxième occasion. Alors, pour clore ma déclaration vis-à-vis le ministère de la Finance, je crois que c'est important qu'on mette en place une politique, une optique macroéconomique lors de la prise de décision. Alors, qu'est-ce que je visais à communiquer? Est-ce que le ministère de Finances est en train de demander les ministères de mettre en place une optique de fiscalité durable? Alors, c'est pas cohérent. Alors, de mettre en place une optique macroéconomique, alors si j'avais le choix, j'utiliserais une autre option qui serait que ça ne soit pas remarqué par les gens. Si on passe maintenant à la santé et services sociaux, il y a des importantes actions que je soutiens. J'apprécie l'engagement qui a été entrepris pour pouvoir clarifier les responsabilités, les rôles pour la livraison des services entre le ministère et les autorités de santé. Ça, c'est une étape fort importante. L'action est énumérée en vertu de la stratégie de
Recrutement, rétention, le recrutement semble bien saisi, mais la rétention n'est pas le cas. C'est comme la boîte noire. Alors, avec les recommandations de l'association médicale vis-à-vis la lettre du 1er mars que j'ai mentionné plus tôt, alors le gouvernement devrait mettre en place un plan de main-d'œuvre de santé. C'est quelque chose qui a été commencé en 2020, mais qui n'a pas été mis en œuvre à date. Alors, présentement, nous avons 36 postes non financés au sein de HSST et 10 postes dans la TSA. Alors, ça, ce n'est pas la faute des autorités de santé parce que nous n'avons pas une idée claire si on est en train d'allouer les finances pour les services nécessaires, si notre modèle de personnel répond aux besoins. Et si le déplacement médical serait adéquat ou non. Alors, ça, c'est un examen ou une analyse approfondie qui a été menée. Et je pense que c'est important qu'on établisse les assises avant de faire cela. Vis-à-vis le ministère des TI. Alors, en matière du cadre de la politique macroéconomique mise de l'avant par le ministère des Finances, je vois que le plan d'affaires qu'ils ont proposé s'engage essentiellement d'accroître le nombre de personnels au sein des organisations et des financements financés dans différents secteurs. Lorsque vous examinez les mesures et les cibles, alors, cependant, on ne va pas accroître la politique de financement. Alors, qu'est-ce que vous proposez en train de réduire le financement et de le partager parmi d'autres? Parmi un plus grand nombre de personnes. Mais je ne pense pas que c'est la bonne manière. Et je ne pense pas qu'on veut simplement accroître le nombre d'artistes ou de directeurs ou de réalisateurs. Je pense qu'on a besoin d'accroître la valeur du revenu, de l'emploi et de voir comment on peut accroître la valeur au lieu de se pencher sur le nombre de personnes. Vis-à-vis les TI, nous avons un objectif d'un chiffre clair pour réduire des projets résilients au chômage climatique et des projets de réduction de GES. Mais je pense qu'il est important de se pencher sur les émissions de GES et non le nombre de projets. Si je passe à l'infrastructure maintenant, alors le premier point ou le principal que j'aimerais partager, je ne pense pas qu'on peut faire avancer les trois projets d'infrastructure d'envergure qui font partie de nos livres assez longtemps. On a simplement besoin de choisir un projet. Ça n'a pas fonctionné pour pouvoir un doigt dans différentes traites et de jouer avec le gouvernement fédéral pour. Je pense qu'on a besoin de critères clairs vis-à-vis l'évaluation de nos besoins en vertu des priorités de cette assemblée. Je pense que ça. Ça peut sembler simple, mais je sais que ce n'est pas. Le plan d'affaires pour infrastructure est très silencieux en matière des politiques d'énergie. Ça, c'est inquiétant. Surtout le rôle du gouvernement pour informer une politique énergétique claire pour qu'on maintienne la cadence avec le monde. Alors, je sais qu'on va à préparer des orientations pour les services publics. Je pense que c'est une bonne étape, mais on a besoin d'élargir l'orientation à les autres entités. J'aimerais souligner que justement la stratégie d'énergie renouvelée devrait publier d'ici le quatrième trimestre de 2025-2026. Je plaiderais que ce serait nécessaire pour. Plutôt, je sais que le projet, ça va être le document de référence. Je pense qu'on a besoin d'aller de l'avant des recommandations, y compris le développement d'une feuille de route à court, moyen, long terme pour le réseau électrique. Le ministère de la Justice maintenant. Quelques commentaires. J'ai remarqué que les mesures ne se rendent pas vraiment avec le mandat. On parle justement de certains enjeux de dépendance qui pourrait mener à la criminalité, les mesures et les cibles dans ce plan d'affaires se penchent justement sur les actions menées par la GRC. Alors, je pense pas qu'il y a beaucoup pour lutter contre la criminalité et les enjeux sociaux. Je pense qu'on doit ajouter une action qui dit qu'en collaboration avec les corps policiers, on va mettre en place des services sur le terrain et mettre plus de travailleurs sociaux pour assurer que tous les enjeux non criminalisés sont examinés davantage ou correctement.
Alors, je comprends les différentes déclarations qui ont été faites ou produites par le premier ministre. Ça, c'est vraiment l'objectif. Alors, je pense que c'est important que ça soit déclaré clairement dans le plan d'affaires et c'est cela permettrait une reddition de compte. Le ministère des Affaires communautaires municipales, la RDC, ben, c'est faible. À titre d'exemple, pour soutenir les communautés, pour mettre en œuvre les plans d'urgence. Est-ce que c'est comme ça? On a besoin de vraiment rehausser l'imputabilité pour s'assurer que les communautés ont accès à des plans d'urgence. Et je crois que on a besoin de réenvisager la valeur. Vraiment, c'est on doit offrir des ateliers par communauté. Et ça, c'est pas toujours la bonne chose. On a besoin d'élargir la boîte d'outils. Et pour terminer, je vais passer maintenant à l'habitation. Alors, j'apprécie le nouveau programme transitoire d'habitation pour ceux et celles qui reviennent des programmes de dépendance ou de. Alors, je pense qu'il est important de mettre en place d'autres objectifs liés justement qui se pensent à la réduction des méfaits pour leur aider à se stabiliser. Je pense pas que je vois des mentions dans le plan. Je pense que c'est quelque chose, c'est un aspect assez important pour cette assemblée. Alors, j'ai remarqué qu'un des objectifs touche sur l'investissement d'infrastructures d'habitation, y compris les nouvelles constructions, les réparations. Et ça, on doit penser justement, dépenser 4 millions de dollars pendant quelle année, puis il n'y a pas de contexte offert vis-à-vis qu'est-ce qu'on vise à réaliser. Quels sont les objectifs assujettis? Quel sera le résultat à la fin de cette assemblée? Puis la source de ce financement n'était pas très claire. Alors j'aimerais que cela soit plus clair dans le plan d'affaires. J'apprécie cette partie vis-à-vis l'habitation qui porte justement sur les risques, les défis auxquels on fait face pour pouvoir réaliser cet objectif de plan d'affaires. Puis c'était bien articulé, mais il n'y a pas une même manière pour pouvoir identifier des solutions ou qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir faire face ou surmonter ces risques. Alors, c'est correct, mais j'ai besoin qu'on doit être honnête. Ça représente un défi assez important. Puis on doit établir un cheminement qui, avec un point de départ, quoi, et ce ne sera-t-il utile. Ça va nous amener à la fin, avant la fin de temps loué. Merci pour votre patience. Je voulais partager cela avant qu'on fasse l'examen budgétaire, mais j'apprécie votre écoute et je sais que c'est quelque chose auquel on peut voter, mais j'espère que ça a été utile et qu'on peut l'utiliser pour informer nos discussions. Merci beaucoup. Merci, député de Yellowknife Nord. On va continuer à la deuxième ronde de questions. Alors, député de Frame Lake. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais vous remercier votre patience. Je vais essayer d'être rapide. Je vais reprendre sur le ministère des TI. Alors, quelques réflexions que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais voir des échéanciers. J'aimerais que ça soit court et vers le début de cette assemblée au lieu vers la fin. Si nous avons besoin de développer une vision, si on doit mettre en œuvre une vision, je veux qu'on le fasse dès aujourd'hui, si ce n'est pas aujourd'hui, le plus tôt possible. Parce que je crois si qu'on est mi-chemin de notre mandat, ça ne va pas nous aider à être stratégique dans notre prise de décision. Je pense que le point d'être stratégique dans la prise de décision, c'est très important. Mais je pense que nous n'avons pas encore établi cette vision. On doit être ciblé, on va devoir prendre décision vis-à-vis qu'est-ce qu'on est en train de faire, pas faire, où on s'en va en tant que territoire. Et j'espère que ces décisions sont basées sur des données probantes, des renseignements que nous utilisons pour prendre décision éclairée. Et à nouveau,
une grande partie des mesurables, ça touche sur le nombre de rencontres, ça nous parle plus de qu'est-ce qu'on fait, mais pas nécessairement comment on va le réaliser. Vous pouvez avoir plusieurs rencontres et rien atteindre. Alors, qu'est-ce qu'on vise à réaliser pendant ces rencontres? À nouveau, dans les plans d'affaires, on parle de soutenir une panoplie de services économiques, mais c'est pas clair qu'est-ce qu'on veut dire. Alors, il y a des activités qui ont plus de valeur que d'autres. Alors, si on soutient tout, on n'est pas très stratégique dans nos investissements, on n'est pas stratégique dans les orientations qu'on est en train de mettre en place. En matière de soutien des arts, ça touche sur la manière dont on finance les OBLL, mais j'aimerais en parler plus sur les arts. J'aimerais avoir une approche, une réflexion qui est plus fondée sur l'écosystème. Alors, je pense qu'il est important que le nombre d'artistes ou d'organismes artistiques qui ont financé, ça ne nous donne pas une idée du retour sur le retour du rendement. La culture, ce n'est pas simplement une question d'accroître le secteur, mais dans certains cas, justement, des organisations artistiques sont capables de bénéficier de financements fédéraux. Ce n'est pas basé sur des ventes, c'est fondé sur le legs artistiques qu'ils sont en train de développer. Je pense qu'on devrait entamer une approche beaucoup plus compréhensive ou holistique. Je vais garder mes autres remarques pour ma déclaration de débuté. Mais je pense qu'on doit vraiment se pencher sur la manière dont on est capable de rehausser les secteurs, pas nécessairement l'artiste individuel. Alors, comment on peut assurer la durabilité, que c'est permanent et ça permet justement cet élan, la manière dont on est capable d'atteindre un retour sur nos investissements. Vis-à-vis le plan d'affaires du ministère de l'Infrastructure, je pense qu'il est important qu'on choisisse un projet. Je pense que la discussion est un petit peu plus large, mais j'aimerais remarquer c'est pas très clair qu'est-ce qu'on vise à faire et planifier et viser. Et vis-à-vis, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je sais que c'est quelque chose qui a été partagé par le gouvernement dès le début, mais est-ce qu'on a pris un recul pour pouvoir examiner ces différents projets stratégiquement et qu'est-ce que le ministère de l'Infrastructure est en train de mener? Alors, est-ce qu'on est en train d'être stratégique et ciblé ou est-ce qu'on essaye de maintenir plusieurs projets à flot en même temps? Je pense que c'est une discussion qu'on devrait avoir. Il est important aussi de remarquer qu'un grand nombre de projets ont des échéanciers assez longs. Alors, la fermeture d'exploitation minière, ça va se faire d'ici 2 ans. Alors, vraiment, une récession s'en vient. Puis, je peux pas dire que les projets qui sont en cours ne vont pas pouvoir stimuler une activité économique rapide comme on souhaite faire avec ces investissements. Alors, on doit porter une optique stratégique. Peut-être on essaye de faire des choses qui sont trop larges. Devrait donc peut-être se pencher sur des éléments plus petits. Alors, je pense que la fondation de l'économique de pouvoir mettre en place les assises économiques pour s'assurer qu'on est en train de prendre les actions nécessaires pour pouvoir avoir une incidence positive. Je vais passer maintenant au ministère de la Justice. Donnez-moi un moment, s'il vous plaît. Ça, c'est assez intéressant. Je pense qu'il y a des commentaires qui ont été partagés lors de nos délibérations et lorsque j'ai posé mes questions. Alors, on est en train d'établir cette unité de réduction de la criminalité dans le territoire. Et le premier ministre nous a indiqué que nous avons justement un ratio assez élevé en matière des agents de police versus le nombre de personnes. Mais les chiffres démontrent une augmentation. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de remarquer que la broche qu'on a mis de l'avant ne semble pas être en train de fonctionner? Et je crois on devrait y réfléchir. En certains cas, j'espère qu'on est en train d'utiliser une approche fondée sur des données probantes pour informer le développement des plans et qu'on est en train de mettre les ressources à la bonne place pour obtenir les résultats souhaités.
si vous me permettez de changer. Quelques commentaires de haut niveau vis-à-vis le logement. Lorsque je regarde le plan de la société d'habitation, lorsque j'ai examiné au début, et ça touche un petit peu sur les discussions budgétaires, je vais garder mes commentaires plus tard. Et... Alors, on a dit qu'on a besoin d'habitation. C'est très difficile de voir cela reflété dans le budget. Et je comprends que lorsqu'on examine les plans d'affaires, l'évaluation des besoins, c'est un élément clé pour pouvoir obtenir du financement fédéral. Alors, j'aimerais, comme suivi à l'évaluation des besoins, c'est de pouvoir assurer une coordination entre les différentes parties prenantes pour identifier le financement fédéral que nous pouvons demander. Au lieu de toucher sur le processus dans le plan d'affaires, c'est quoi l'objectif qu'on vise à obtenir? Alors, on parle des besoins. Alors, j'espère que les résultats sont attachés aux besoins identifiés. Ça, c'est la fondation pour déterminer les prochaines étapes. J'en ai parlé de cela pendant la dernière séance à l'automne, puis je vais le répéter ici. Alors, on n'est pas en train de financer l'entretien, le maintien de notre parc d'habitation. Je pense qu'on doit accroître ce point. C'est vraiment une priorité et que ça doit être dans notre ligne de mire. Et si on n'est pas capable d'entretenir qu'est-ce que nous avons déjà, on va avoir un enjeu encore plus important. Parce qu'ultimement, l'évaluation des besoins va nous dire que les besoins, mais à la fin, on ne va pas être capable de maintenir le parc existant. Et j'espère qu'on va pouvoir progresser en tandem. Alors, je vais terminer mes commentaires sur ce point, Monsieur le Président, vis-à-vis les plans d'affaires, et j'ai hâte de pouvoir examiner le budget. Et pour clore, alors j'espère qu'on va créer un processus pour pouvoir examiner davantage ces éléments, pour pouvoir poser des questions au ministre, au ministère, parce que c'est un document assez compréhensif, c'est un document important, et je pense que si on examine davantage ce document, c'est un changement que j'aimerais voir, et je pense que ça pourrait nous aider, et j'espère qu'on pourrait aller de l'avant de cette manière à l'avenir. Merci, Monsieur le Président. Merci, monsieur le député. C'était la deuxième ronde, donc je veux remercier ce comité pour vos commentaires généreux. Je vais passer maintenant au député de Inuvik-Boot Lake. Merci, monsieur le président. Je demande le document déposé 94-20 entre parenthèses 1 pour les affaires soit étudié. Merci. Oui, une motion. Est-ce que vous appelez la motion ou vous faites cette motion? Nous allons nous tourner vers le député de Range Lake. Merci, monsieur le président. Oui. Je voulais m'exprimer là-dessus. C'est peut-être une nouvelle pratique. C'est la première fois qu'un document de ce type est déposé. Et c'est un petit peu un document d'orientation pour cette assemblée. Je pense que pour cela, il serait bon de mener une évaluation plus complète du document. Je pense que nous pourrons nous tourner plutôt vers le contenu du document est vraiment les techniques. Je pense que nous n'avons pas le temps de le faire aujourd'hui. Ce n'est pas forcément le bon format pour mener une étude plus approfondie. Donc, je pense que nous pourrons en référer à ça en comité. Je pense que ce serait
une meilleure façon de le faire afin que le public puisse ensuite entendre les députés à l'Assemblée législative sur ce sujet. Je pense que nous devrions préférer ce document en comité. Ce serait plus de travail pour nous, mais je pense que ça appuierait mieux ce travail. Donc, et merci également au président du comité permanent d'avoir évoqué ce point. Merci. Motion. La motion. On appelle au vote sur la motion. Pardon. Nous allons passer la députée pour ILNF Sud. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense que je n'ai pas levé la main assez rapidement. J'ai trouvé les commentaires aujourd'hui très utiles, en tout cas en ce qui concerne ma propre division. Donc, lorsque j'ai ma casquette de membre du gouvernement et non pas de député pour ILNF Sud, je peux dire que c'est très utile à savoir. Je pense que nous pouvons rattacher ce document au processus. Les directeurs financiers étaient contents de voir ce document. Les activités de chaque fonctionnaire ne doivent pas forcément se trouver dans le document du mandat du gouvernement, mais chaque fonctionnaire contribue au fonctionnement de chaque division. C'est inclus dans les clauses. Et bien sûr, il y a différentes activités qui entrent ici dans l'accomplissement du mandat. Concernant la question de savoir quelles sont les activités de recrutement, il y a des estimations qui sont faites pour les ressources humaines. Ça me laisserait parler un petit peu de ce qui se produit au sein du domaine des ressources humaines et de la façon dont nous pouvons contribuer à la rétention, par exemple, du personnel de santé. Concernant sur les infrastructures, des commentaires ont été faits sur la stratégie énergétique. La division stratégique pour l'énergie a des travaux en cours. Il peut être bon ici de faire un suivi et se demander ce qui est fait avec le financement à cet égard. Monsieur le Président, je suis totalement d'accord. Je reconnais que nous le faisons d'une nouvelle façon, et qu'il s'agit d'une nouvelle assemblée. Je pense que nous voulons tous nous exprimer sur le plan d'affaires en lien avec la proposition de 2,2 milliards de dollars qui entrerait en jeu dans l'accomplissement de ce plan. Donc, je pense que nous devons effectivement en référer au comité de supervision. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Yolanda Sud. Le vote est appelé. Tous en faveur? Tous contre? La motion est adoptée. Le document déposé 94-20 ou parenthèse 1 va être référé en comité pour étude plus approfondie. Document concernant le plan d'affaires. Merci. Le comité conclut maintenant l'étude du document déposé 94-20 entre parenthèses 1 sur le plan d'affaires. Merci. Merci. Et je vais rendre le micro ici. Monsieur le député des New York Bootlake.
Merci. Nous allons maintenant rapporter notre progrès. Nous avons une motion ici sur le plancher de rapport des progrès. Les oui, les non. Très bien, la motion est maintenant adoptée. Nous allons maintenant lever ce comité et rapporter du progrès. Oui, rapport du comité plénier. Monsieur le Président, nous avons étudié le document déposé 94-20 entre parenthèses 1 sur le plan d'affaires. Nous avons aussi considéré le document 24-20 entre parenthèses 1 pour qu'il soit référé en comité. Et merci. Monsieur le député, merci. Madame la députée de Great Slave, tous en faveur, tous contre, pas d'opposition, pas d'abstention, la motion est adoptée. Rapport du comité plénier, lecture du projet de loi, troisième lecture du projet de loi. Ordre du jour. Merci, Monsieur le Président. Ordre du jour pour le 27 mai 2024. Déclaration de ministre, déclaration de député, réponse aux questions orales, présentation de visiteurs dans la tribune, réponse au discours du budget, jour 2 de 7. Question orale, question écrite, réponse aux questions écrites, réponse au discours d'ouverture de la commissaire, pétition, rapport de comité à la suite d'études de projet de loi, rapport de comité permanent et spéciaux, dépôt de documents, avis de motion, motion, renvoi du document déposé, avis de motion pendant la première lecture du projet de loi, première lecture du projet de loi, deuxième lecture du projet de loi, études en comité plénier de projet de loi et autres affaires, document 93-20 entre parenthèses 1, le document déposé 24- entre parenthèses 1, rapport du comité plénier. Troisième lecture du projet de loi, ordre du jour. Merci. Cette assemblée est adjournée jusqu'au 29 mai 2024, 13h30.